Oui, il y a un mandat d'amener. C'est que quand ça arrive au niveau, il y a un mandat d'amener, ça veut dire que c'est grave. Oui, Sylvain de Montréal. Tu m'écoutes pas? Non. Comment? Ton téléphone doit avoir un problème. Hein? Le son est bon? Le son est bon? Confirmez-moi si le son est bon. Ok, on m'a confirmé que le son est bon. Le son est bon, l'image est bon. Nous ne sommes pas pour dingue quand même. Hein? Ah, ma vie l'aura pour ça. Le son est bon, comment? On n'a pas de co-détenus à côté. Je connais ces choses-là. Hein? Quand je parle à connaissance de cause. Et ton deluxe, Yaota, Menanda. Non, 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 Irène, nous ne sommes pas connus, le son va être bon. Et... Non, vous voulez contester le truc. Non, on va tester mes sons. Il faut qu'on appelle les gens. Il faut atteindre même d'abord 100, 100, 150. On commence. Allez-y, partagez. Vous m'avez empêché de boire l'eau, le coca. C'est l'eau, Joël. Benoît demande qu'on convoque le ministre des Finances, oui, Moutazé. Mais Bilora, la femme du fils, on dit comment? Le père de l'enfant, de la femme de Apikoro. Quels hommes-là? Et la femme de Somla, qui est la fiancée d'Apikoro, est portée disparue. Mandat d'arrêt. Oui, Benoît, je veux prendre Benoît qui a sûrement... Il y a sûrement quelque chose à dire. Je rappelle que Benoît aussi a été victime des hommes-là. Hein. Moi, ça s'est arrêté au niveau de 70 millions. Mais lui... Mais moi, je préfère que les hommes la fassent la prison au Cameroun qu'en Belgique. Benoît. Côté Waka, étonne de luxe. Menanda. Menanda. Zamba n'a yo. Satana n'a koniki. Léo, bonjour mon parrain. Nous sommes des pirates. Mais nous voulons amener étonne de luxe. Mais sur Facebook, là, même moi je suis sur Facebook, non. Comment arrêter? Être sur Facebook ne veut rien dire. Aller répondre à une convocation, c'est aussi autre chose.
Moi, j'aime les enfants. Je suis enceinte. Quand on est enceinte, on ne répond pas à une provocation. Minalmi. Je dis que Minalmi. Non, non, non. À la CPI, on a vu comment les bambous criaient. À Kondingi, Kondingi Central. À Kondingi Central. Chocolina. On dit qu'il y a. Va. On dit qu'il y a. On peut vous dire là. Va le dire. Oui, c'est bon. Oui, la droite. Ok, allez, allez. C'est bon. Donne ma barre. Va dire qu'il t'anime. Qu'il t'aille à côté. Non. Non, 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 non. Voilà. Ça t'a pas. Excusez-moi, je suis avec. Avec Chocolina qui. Qui veille à ce que tout se passe bien. C'est elle qui avait dit oui, excellence. Cher voisin, ayop, ayop. Zomla, on est à prison. Toi, tu dis ayop, ayop. Donc, voilà, nous sommes presque à 150, déjà c'est bon. Continuons un peu, continuons. Continuons, on va continuer. Et... Non, le déambulateur est là. Vous voyez le président voisin. Je viens parler de son histoire. Le chef de l'État, notre père, apprend que voilà ce qu'on est en train de faire à ce monsieur. On décide de l'inviter. Il dit que moi, je suis persona non grata. Persona non grata, c'est lui qui est ingrat. Moi, je vais aller faire quoi là-bas? Un voisin que tu vas dans sa maison, il n'y a même pas de piscine. C'est dans notre piscine de Douala qui font tout. Un voisin nuisible. Alors maintenant que Wagner s'est retourné contre Poutine même, on va voir. Moi, président, je coupe toute relation avec ce pays. C'est un pays nuisible. Tous les points qu'on a dans la Damawa et à l'Est viennent de ce pays, de ce voisin. Il ne parvient pas à dresser ses enfants. Ses enfants sont mal élevés. Donc, on peut entrer maintenant dans le vif du sujet. Voilà, j'aimerais d'abord attirer votre attention. Voyez-vous, je ne suis pas collaborateur de Amougou Belinga. Je n'ai jamais été salarié chez Amougou Belinga. Je n'ai jamais travaillé dans un de ces trucs au Cameroun. Il a été un ami que je maudis le jour que j'ai rencontré cet homme. C'était dans un vol, lors d'un voyage, toujours dans un pays d'Afrique centrale où il ne peut pas aujourd'hui aller. Beaucoup de gens disent que je m'acharne sur lui. C'est mal. Vous, peut-être, c'est quand on vient d'arrêter Amougou Belinga que vous me connaissez. Il y a de cela 3 ans, il m'a fait arrêter de manière injuste. Il m'a empoisonné. Il a envoyé un camion déchiqueter ma voiture. Laisser d'autres choses que il a fait, ça a échoué. Je ne suis pas son je n'ai jamais été son. Parce que j'ai lu dans un journal que le proche collaborateur de Amougou Belinga, Bachirou Débal. Non. Non.
Il a été un ami, c'est un ami. Il n'y a pas, je ne m'acharne pas sur lui. J'enjoy son emprisonnement. Donc, je ne suis pas hypocrite. Je pouvais aussi faire. Je peux aussi jouer à l'hypocrisie. Hein. Je viens de dire que non, la justice doit faire son. Non. La justice doit faire son travail. La justice a fait son travail et ce n'est pas fini. Il s'agit là d'une famille. On parle de deux morts. Ivana et Somba aujourd'hui qu'on cherche là. Elle a fait faire tuer Brian Somba. Amogou qui est en prison là. Ils ont tué l'autre. Comment voulez-vous qu'on se taise dans des situations pareilles? Je parle, est-ce que je parle pour moi? Moi, je sais me défendre, hein, avec ces diables-là, je sais me défendre. Je ne parle pas pour moi, chers frères et sœurs. Vous trouvez que je m'acharne? La vie ne vaut rien devant vous? Ce petit Tintin d'Apicoro, il est dehors actuellement. Liberté provisoire, ou on dit quoi? Sa femme, Ivana Isomba, qu'on avait mis son dossier qui était en délibéré. Je suis pas juriste, mais je connais quand même un peu la loi. Quand on dit en délibéré, ça veut dire que ton cas est scellé. En délibéré, tu ne te présentes pas. Elle est fugitive là où elle est. Les pros hommes là disaient que non, tu vas sortir blanche. Quelqu'un, il y a mort d'homme, vous encouragez des bêtises comme ça, mon Dieu. Vous vous rendez compte? Tout est lié, hein? Tout est lié là dans cette histoire. Une femme, notre police, hein? Moi, quand on m'avait pris, on m'a respecté, on ne m'a pas brutalisé et tout. Mais notre police, quand j'ai vu la description d'Ivana, mais, il y a une fiche que quand on dit qu'on cherche telle personne là, si tu as les cicatrices, machin, généralement on fait ça, moi je vois ça à la télé. Mais notre police a ça, hein. Ils ont cité partout où il y a des cicatrices de cette fille. Même là-haut. Ce Colina est là, je ne parle pas. Même là-bas, elle a des tatouages. Comment ils ont fait pour savoir? On a dit, ça dit. On peut arrêter quelqu'un comme ça, on dit enlève ton caleçon, on va vérifier quelque chose. Hein? Elle a des tatouages partout. Je vous assure. C'est-à-dire, une fille qui a des tatouages comme ça, c'est une tueuse. J'ai vu ses papiers, j'étais. Non, les histoires qu'on dit qu'elle a traversé vers la Guinée là, c'est faux. On dit chez nous en Foulé, Dogawade, Nastanyanande. Donc tu fuis la mort. Pour aller entrer dans une tombe. Elle, en Guinée équatoriale, c'est pas possible. On cherche ces hommes-là lui-même là-bas. Donc, on cherche ces hommes-là même. Là-bas, combien de fois Ivana est tombée? Elle est passée par où? Même si elle est surveillée, vous savez. Notre justice, nous sommes un continent. Je vous disais dès le départ de cette histoire, je vous donnais des informations. Je vous disais qu'on va arrêter à Moukoubelina. Mais le temps de la justice n'est pas mon temps ni votre temps. On dit Kouetou veut dire quoi? Je vous dis qu'elle a le truc. Ah. Elle a les tatouages là-bas. Une fois qu'il fait des tatouages partout comme ça, juste à ce qu'on lance un mandat d'amener, on précise qu'elle a les tatouages, un sur les cuisses, un au dos, un là-bas. Mais c'est incroyable. Toi, un homme, une femme se déshabille comme ça devant toi avec les tatouages pareils. Tu peux. Mais moi, je fuis. Le
toi, il envoie, je vois ce qu'il vend dans National Geographic, dans les prisons et tout. Une femme tatouée partout comme ça. On dit que donc les filles brunes là, avec les tatouages là, ne soyez pas surpris que d'ici deux jours là, on commence à enlever. On va vous déshabiller pour voir s'il y a le tatouage là-bas. On l'a décrit. Non, notre police. Non. Papa Mbardangele. Aïe. Et le saut. Tu vas vous renvoyer. Elle ira en prison. Et ces gens sont même plus en sécurité qu'en prison que dehors. Maintenant, tout le Cameroun sait qu'elle a un problème et elle a refusé d'aller différer une convocation. Vous comprenez? Et c'est reproche de quoi? Voilà mon ami Valsval. Si tu n'as rien fait, on te convoque. Tu vas aller. Mais nous autres, là, c'est parce qu'on a compris que c'était des montages inutiles. Et je savais que avec ces mafieux, il n'y a pas d'autre solution que de sortir du pays. Et ce qui me plaît, c'est que c'est le même ministre qui m'a arrêté, qui a arrêté Amoukou Belinga. Eh oui. Et c'est le même ministre sous son mandat que Amoukou Belinga est entré en prison. Et on a renouvelé. L'autre jour, je vous avais dit qu'on a renouvelé, qu'on va renouveler. Et vous avez vu, on a renouvelé. Elle refuse d'obtempérer, Valérie. Pourquoi elle refuse d'obtempérer? Donc, les policiers, à ce quand on l'avait pris pour histoire de meurtre là, on te déshabille, on voit si tu as les cicatrices et tout, pour qu'on enlève dans les aéroports. On dit qu'elle a un tatouage là-bas. Il dit, c'est quelle histoire ça? Si ta femme est tatouée, si quelqu'un, une femme qui a les tatouages là, et qu'elle est brune, ne voyage pas avec elle. On va déshabiller pour voir s'il y a encore plus de tatouages. Là, je vous le dis. J'ai vu le papier. Moi, à l'époque, Apicoro était allé prendre mon dossier. Et il partait dans les bureaux et on est pour dire que oh, je suis fugitif, machin, truc. Si moi, j'étais méchant, j'allais poster ce truc. Mais je ne trahis pas mes sources. Mais je vous dis que le mandat d'Amené que j'ai, on a décrit cette tueuse en série là. Et il semble que ce n'est pas la première fois. Hein. Ah oui? Elle est dangereuse cette fille. Hein. Elle est dangereuse. Quand vous entendez les vidéos, vous savez ce qu'elle fait. Les hommes même chez eux voient les problèmes. Elle met les produits sur elle. Au niveau, comme les femmes aiment allaiter les hommes, toi tu pars, tu vois le loulou, tu prends, tu commences à téter. Que c'est ta mère, c'est le sein de ta mère. Après tu tombes là, tu dors et tu filmes. Mais, il y a un grand frère là qui s'est retrouvé là dans un film pareil. Je lui ai dit que quand tu partais, tu sais le sein là, c'est ta mère, grand, non, vieux père comme ça, tu es bébé. J'ai dit que quand les hommes ont un problème, les hommes ont monté cette fille. Elle part. Elle dit que non, je vais prendre un bain, je vais me parfumer pour toi. Gna, 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 gna. Aïe. Elle part prendre un bain. Si tu entends une odeur peut-être bizarre, tu vas dire que non, elle a mis son jeans. Oh, ce n'est pas ça. Elle te dit, chérie, viens te servir. Comme si tu prends papa, on t'a pas servi. Dès que tu suces les deux là, tu dors comme un bébé. Elle se soulève tes pieds, elle filme, elle fait tout. L'homme là est content. Après on dit qu'après pourrait aller tout. Je vous dis que le temps là, vous allez voir quand l'enfant là, ça serait le porté craché de l'homme là. Donc Apicoro est tellement fidèle à l'homme là qu'il garde la femme de l'homme là. Et ce que l'homme là ne sait pas, c'est que Apicoro n'est pas sorti facilement comme ça pour rien. Le gars coopère. C'est un Jida.
Valérie, un adulte, chez nous, on sert l'enfant à 2 ans. Un papa, un vieux père, je lui dis que mais papa, c'est comment? Papa, tu sais quoi? Que tu sais que quoi? Il y a quoi? Pourquoi vous aimez déranger? C'est une femme fatale. Elle est, c'est un danger pour le Cameroun. Hein? Comme nous avons lutté jusqu'à ce qu'on obtienne l'arrestation d'Amoukou Belinga. Mais non, c'est lui que ça. Vous savez que Zom là a créé son histoire là, son histoire du Sam là, pour le permettre d'amener des produits. Il y a des somnifères dans, c'est-à-dire, mais un peu seulement là tu dors. Elle arrive là et te dit, non chérie, tu seras choquée, je vais te faire ça machin. Je vais me laver, je vais me prendre pour toi machin. Elle passe se laver, elle prend les huiles là, toi tu prends. Tu entends un arrière-goût, est-ce que tu sais? Il y a deux d'injans. La bonne femme qui met d'abord l'injans est forcément une femme qui sent. Une série de prendre son bœuf. Donc, le cas que je vous dis là, c'est un papa, il m'a dit que Bachir, j'espère que je connais que ton ami qui est en prison a la vidéo. J'espère que toi tu n'as pas la vidéo. J'ai dit que je n'ai pas, je ne regarde même pas s'il y a des vidéos. J'ai dit que, mais, papa, toi-même, tu. Moi, je ne connais pas ces choses. Comment quelqu'un peut dire non? Le Cameroun, c'est un pays qui me fatigue. Allaitement, c'est-à-dire, on doit porter, on doit ajouter allaitement par aide. Ou bien, C'est comme ça que Amoukou Belinga tenait ces gens. Il y a une là qui est à Paris. Je vais vous chercher. Je vais vous traiter son dossier demain soir. Elle croit qu'elle a fui. Elle est à Paris. Elle aussi, elle tentait de mettre les trucs là. La police est maintenant au courant. Hein. Et oui. Vous savez que dans un pays, pour avoir la vérité, quand les forces de l'ordre cherchent à savoir quelque chose, ils cherchent ton meilleur ennemi pour collaborer. Ce n'est pas du judaïsme, non. Je ne suis pas Judas. La première personne à trahir l'autre, c'est Amoukou Belinga qui m'a trahi. Imaginez-vous, vous faites toute votre vie au Cameroun, à Yaoundé, Ngaoundéré Yaoundé. Un matin, quelqu'un décide de t'arrêter. Il décide de te tuer. Tu sors du pays. Il continue toujours. Et si la police me demande quelque chose sur Amoukou, que j'ai, vous croyez que je vais hésiter pour donner? Je ne suis pas idiot. Je vais donner avec... Je vous rappelle toujours qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que Bachir, tu as contribué à 150% pour qu'on arrête Amoukou. Oui. Donc, l'histoire des hommes, vous partez chisser des choses. C'est-à-dire, vous regardez une vieille maman comme ça. Sûr que même l'histoire de maman Sarah, même on avait mis quelque chose là-bas, j'allais tomber dans les mêmes pièces. Maintenant, tout me passe par la tête. Hein. Honnêtement, j'ai réfléchi. Je dirais que menacé par le cartel du Sam, mettez le cœur, s'il vous plaît, mettez le cœur et partagez, c'est menacé. Aujourd'hui, il y a le camp de Moutazé et le camp de Amoukou Belinga. Oui. Voilà. Voilà, ils sont là, il faut mettre beaucoup de cœur et partager. Mettez le cœur et partagez. Ça protège. Ma page n'est pas monétisée, on protège juste les directs. Donc, l'histoire des papas. Le papa dit les gens. Le papa dit les gens qui partent. Si c'est n'importe quoi là. Mon Dieu. Moi comme ça là, vous croyez que des choses comme ça peuvent m'arriver. Je suis d'abord quoi? Je sais comment. Je sais que j'ai dit au père là que c'est ta mère.
Il dit que non. Mais... Le père... Non, je blague fort. Je blague. Chapeau, papa. Chapeau. Chapeau. Donc maintenant, ou bien c'est dans ces histoires que la police a su des endroits précis où il y a les tatouages sur l'actrice principale du malheureusement. On parle là de deux morts dans une même famille. Vous allez me dire qu'on les accuse pour rien. Hein? Du côté de Ivana, ça c'est ce que vous connaissez. Hein? Il y a plusieurs personnes qui ont tué comme ça sans que ça ne se sache. Oui. Pour moi, mon problème avec Amoubousi, c'est que je sortais. Je restais tranquille. C'est parce qu'il a continué que je suis sorti. Les David et Boutou qu'il a arrêté. Et parce que ça part. Et dernièrement, on dit 40 personnes, 43 personnes qu'on a libérées quand Amoubousi a enfermé. Il appelle seulement le ministre. Ce jour, le jour qu'on me condamnait. Le juge était devant moi, il causait par hasard, il demande à mon côté, on donne combien? Il dit, donne 3 ans à Bachir. Un illettré ancien chasseur qui commande un juge. Aujourd'hui, ses avocats crient que, oh, la justice camerounaise n'est pas bonne. Notre justice est très bonne. C'est bon à moi maintenant, là, pour l'instant, là, c'est bon. Et tu vas dire, ça dit, on dit torture par aide. Qui a... Aide, c'est-à-dire torture qui a abouti au meurtre. C'est-à-dire si par exemple, on torturait Martinez, il rentrait là, ça va. Mais torture par aide. Et les gens de Facebook qui disent que on n'a pas trouvé le lieu du crime. On trouvait le cadavre, vous voulez quoi avec le lieu du crime? Vous êtes sûr qu'on l'a pas dit? Danoué n'a pas avoué. Je rappelle que Danoué, c'est un chef des opérations hein, au machin. Renseignement supérieur, un colonel de ce soir. C'est lui qui a supervisé tout. Vous croyez qu'il n'a pas dit? Il a décidé de passer à table parce qu'il y avait des preuves. Si tu veux me montrer des vidéos où je suis en train de tester quelque chose et tout, je ne veux pas nier. Je vais dire que oui, c'est moi et j'avoue et je demande les excuses. Mais dans leur cas, c'est ça. Et moi, il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Quand j'essaie de taper mon nom sur Google, je vois certaines informations. Oh, Bachirou est manipulé par des ministres. Quel ministre? C'est-à-dire, ce ministre va me donner quoi que je n'ai pas. Je ne suis pas le genre vaniteux. C'est-à-dire, le peu que j'ai me suffit. J'essaie de vivre avec 1 milliard, j'essaie aussi de vivre avec 100 francs par jour. Je ne suis pas né avec une cœur en or. Quel ministre? C'est-à-dire, être du côté... J'ai toujours deux personnes qui bagarrent. Parmi les deux, il y a quelqu'un avec qui tu as des problèmes. Tu as supporté, tu as laissé l'autre pour aller. Je supporte l'équipe qui gagne. Et pour l'instant, vous connaissez l'équipe qui gagne. C'est l'État. C'est l'État de droit. C'est la loi. Donc, les gens qui disent, oh, il va sortir avant de ça, vous allez compter 5 décembre. Zomla est là, là-bas. Et on veille. Vous savez quoi? Le fait que nous oublions, nous arrêtons de parler, ça joue beaucoup. Mais chaque jour, j'ai promis à la famille Chocolina, ton truc. En tout cas, ça va. Ça va, Achou, ça va. C'est bon. Donc, je disais que... Ok. Je disais que... Oui. C'est mieux comme ça ou on a... Ça va, oui, ça va. C'est fait. Donc, le fait que nous parlions d'histoire, c'est-à-dire... Vous voyez comment le dossier de l'autre, de Martinez, a réveillé le dossier de
de l'autre de Brian Fombon. Vous voyez comment c'est ressorti au même moment. Ça dit que quand vous étiez dehors, il donnait l'argent à gauche à droite. Mais maintenant, ben, Chocolina, bonsoir, te salue. Oui, elle te salue aussi, cher Balvin. Donc, je disais que une famille où on fait deux dossiers, où il y a meurtre, vous me racontez qu'on va les libérer et vous voulez la paix dans ce pays. Et ceux qui disent, les journalistes qui disent que je m'acharne sur Amoko, oh, l'autre me paye, machin, sachez que j'ai dit ici, personne ne me donne l'argent sur cette histoire. Je lutte pour la justice parce que je suis passé par là. Si ça se fait seulement au niveau de la prison, ça va. Mais c'est quelqu'un qui a failli me tuer. Il sera. Si tu appelles à mon commandant, tu dis Bachir est mort, il va fêter. On parle de deux morts. Deux. C'est-à-dire où tout est lié. Apikoro n'est pas libre. Il a été libéré sous caution, ou sous liberté provisoire ou pas, sous caution, je ne sais pas. Et vous avez vu, vous dormez peut-être, mais moi non. Je suis un fouineur. Donc, je cherche, je fouille. Avant qu'on ne... Depuis que cette histoire a commencé, je vous donnais des informations, je vous disais qu'on va arrêter à Moukoutelinga. Il est à tel endroit, il a cité, il a fait cela. J'étais cohérent et dans toutes les informations que je vous donnais, vous avez confirmé que c'est vrai. Et maintenant pour Ivana et Somba, je vous dis qu'on a lancé, on a le mandat d'amener de Ivana et Somba. Elle est introuvable. L'autre jour, elle est allée là-bas et commence à soulever le ventre. Ah, je suis enceinte. Les hommes l'ont encore bombardé. Que d'autre, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a commis. Comme elle est, maman a enfant. Donc, j'ai dit que j'ai pris. Quand on m'a envoyé ça, on a fait une description. Même si tu ne connaissais pas Ivana, même si tu ne l'avais jamais vu. Le portrait robot que la police a fait. Elle n'en a pas besoin, mais vous voyez la forme de truc, on appelle ça quoi, carapace. À l'intérieur de la police a dit que sur telle partie il y a tel tatouage, sur telle partie il y a un tatouage qu'on écrit par cœur. Après là, ils ont cherché. Il y a un grand frère là qui est très très aussi dangereux dans le renseignement. L'autre jour, j'ai vu, il a posté la photo de Bruno Bidjan. Le grand là, il connaît les choses. Bruno Bidjan cherche, là on va enlever les... On peut enlever les tatouages. Et puis, dans des parties sensibles, c'est pas, ça va pas être, ça va pas faire mal. Les femmes, dites-moi. Pour enlever dans les parties compliquées, là on va faire comment? On brosse. Vous savez, chez nous, les Wadjou, là, on a peur des trucs comme ça. Hein. Un Wadjou, tu te déshabilles devant lui avec le papa, il va fuir. Nous sommes des bons villageois. Hein. Ah oui, et c'est mieux pour nous. Apikoro est le gardien de la femme du homme là. Quel sont au USA ou bien en Europe, je vous dis qu'elle est au Cameroun. Elle est au Cameroun, elle n'est pas sortie. Elle était là dernièrement pour le machin. Elle était là dernièrement. La dernière fois, le jour qu'on avait dit
On appelle ça quoi? Le jour qu'on avait dit qu'en l'affaire est en délibéré. Elle sait que c'est le bien là. On va couper ça. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas allée. Elle n'est pas allée. Et dans le dossier de l'autre côté, ça dit, voilà un groupe antidote ou bien anecdote. Ma bien avoir ça. Ah, Valta, ta question là, même moi je me pose cette question. Hein. Si le groupe pas, ça veut dire qu'il y a failli quelque part. Et n'oubliez pas que sa première femme avait dit que il ne. Bon. On est au téléphone. Donc, de l'autre côté, Amougué enfermé pour meurtre de Brian Fombo. De l'autre côté, Ivana Ifomba est harcelé par le tribunal pour Brian Fombo. Amougué, il est là de l'autre côté pour Brian Fombo. Parce que même dans le dossier de Brian Fombo, Amougué était là. On est allé. On voulait l'extirper de la prison. Le sceau a mis la main. Mais que le sceau lui-même sache. Monsieur le ministre Laura Esso, votre nom est cité dans les sales choses. Démissionnez. Mettez-vous à la disposition de la justice. Monsieur Laura Esso, on voit comment ça se passe ailleurs. Hein. Ah oui, nous sommes un continent, mais nous voyons ce qui se passe ailleurs. Quand votre nom est cité quelque part, démissionnez. Pourquoi vous vous accrochez? Depuis que vous êtes né, vous êtes là au pouvoir. Démissionnez. Si vous sortez là sans salissure, le père va vous reprendre. Mais pour l'instant, faites un geste, il faut démissionner. Je ne vois pas pourquoi vous callez, vous obstinez à cette histoire. Vous allez renvoyer, n'est-ce pas, vous avez dit en délibéré et en délibéré. Vous allez dire en délibéré, en délibéré tous les jours. N'ai jamais vu une histoire où on dit que non, l'affaire est classée à délibéré, le machin. Après, on vient encore, on dit qu'on renvoie. On renvoie pourquoi? Il y a la main du sceau là. Et si il va parvenir à s'échapper, c'est le sceau. Je vous dis. Et puis notre justice actuellement. Je me rappelle le jour qu'on a arrêté à Mugubelinga. À 2h, un ministre, un grand ministre m'a appelé que Bachir, tu es sûr que ton type là va aller en prison? J'ai dit, Excellence, il ira. Mais je ne sais pas à quel moment. Et il est parti. Ce jour-là, vous avez veillé avec moi. La confiance que vous me faites, je ne peux pas abuser ça. Si j'entends un truc, je viens vous dire, je viens, on partage ça. Et là où nous faisons nos directs, on tire des trucs dans nos directs. Je ne suis pas influenceur. J'ai même refusé de faire les directs sur ma page officielle. Parce que on va dire que non, je cherche l'argent sur Facebook. Non, je fais sur ma page où tout le monde me connaît. Ma page n'est pas monétisée. Je donne les informations et je n'ai peur de personne dans cette histoire-là. Donc, on prend Benoît à 300, nous sommes à 297. Benoît, lance l'invitation, je te parle. Benoît, c'est lui alors le PDG de Télé-Sud. On avait tendu, on a tendu Jazomblo au cas où il partait en France, Benoît allait l'arrêter là-bas, allait l'arrêter. Malheureusement ou heureusement pour moi, parce que vaut mieux faire la prison au Cameroun que là-bas. Hein? Ah oui. Donc Benoît, tu peux lancer et je te prends. Nous sommes déjà à 300, oui. Vous savez, moi, si vous constatez bien, depuis que cette histoire a commencé, moi, je parle. Quand on va donner des instructions fermes, comment moi je viens, aujourd'hui j'insulte Amougou, demain j'insulte Amougou, après demain j'insulte Maman Sarah, tout le monde. Mais lui qui dit que j'ai 4 télévisions, 2 radios, ils ne sont pas capables de m'affronter, c'est des lâches. Après, ils partent payer les gens en coulisses pour venir m'affronter. Je ne suis pas idiot.
Quelqu'un se lève sur Internet, il me parle mal, je m'assois sur Amoubou. Parce que quelqu'un ne peut pas m'appeler peut-être de la France ou bien de l'Amazonie ou bien d'où pour m'insulter. Je ne les connais pas. Je vais répondre ces gens comment. Je réponds à leur commanditaire. Il n'est pas seulement commanditaire dans le machin. C'est lui qui donne l'argent aux gens qui se disent influenceurs et tout pour insulter les gens et faire des bêtises. Mais moi j'ai dit, 1000 personnes m'insultent, moi j'insulte Amoubou et sa maman Sarah. Pourquoi je n'insulte pas sa première femme? Je n'ai jamais eu de problème de frottement machin avec sa première femme. Or, maman Sarah et Mélissa, j'ai mon argent chez Amoubou, 70 millions. Il ne paye pas. Je prends Mélissa, je vends ailleurs. Oui. Parce que je vous avais dit, Mélissa. Elle est trop sèche, elle a les muscles, elle est, pour moi elle est comme un garçon, il faut avoir des tendances homosexuelles pour aimer ce genre de femme. Et moi je ne suis pas là dedans. Donc j'ai quand même des petits. Vous savez, le moi est haïssable, mais. J'ai quand même des gens qui me conseillent en communication et parfois même moi-même, je ne peux pas insulter 10 personnes de venir m'attaquer, je les insulte. Non. Tu m'attaques, j'attaque Amoubou et sa femme. Propre, sa maman, ça. Vous connaissez l'histoire de Hilton. Donc, si vous voulez qu'on revienne en arrière, cette histoire, on réchauffe, c'est toujours d'actualité. Je suis fatigué. C'est pour ça que je suis même certains journalistes. Parce que dès qu'on m'appelle, monsieur Bachirou, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel Hilton? Moi, j'ai dit que maman Sarah m'a monté à l'hôtel Hilton. Je suis fatigué de répondre. Elle dit que cette femme m'a maudit. Ça, tu vois quelqu'un, tu vois quoi? C'est-à-dire qu'elle est comme libre au temps. Tu veux quoi? Elle dit qu'elle aime tes cheveux. Coupe mes cheveux, tu manges alors. Coupe alors, tu manges. Vous venez d'entendre l'histoire de somnifère au bout de 5 ans. Imaginez-vous que va tomber sur l'hippopotame là, je commence à devenir bébé. Je vais tomber là, on va me filmer. Après, et ces gens savent, quand ils font ça, la première personne à qui ils envoient, ils t'envoient. Oui, le père que je vous dis là, lui est venu vers moi humblement. Il m'a dit, Bachir, je sais que tu ne peux pas me trahir, je vais t'envoyer une vidéo et on cause après. Il m'a envoyé la vidéo. Le père ronflait, on dirait qu'il était chez lui. C'est-à-dire quelqu'un qui était prêt à un match, avant le match, il dort. Elle a filmé, elle a soulevé. Elle a eu la malchance qu'elle-même, elle est sortie dans la vidéo. Elle soulève le pied du vieux, elle filme tout, elle filme. Quand j'appelle donc le père, j'ai dit, mais papa, tu as eu le somnifère, il dit que je suis méticuleux. Tu me connais, non? Je ne bois pas n'importe comment, même dans les restaurants, je ne mange pas, je ne fais que confiance. Je lui dis que, mais, il dit que quand il suçait, quand il tétait, le lait là avait un bizarre. Et lui, il s'est dit que la fille allait mettre les parfums, gna gna gna, gna, pour le blaser. Il a dit que quand il suçait, il a senti quand même qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Mais il ne pouvait pas aller jusqu'à imaginer ça. Il dit, voilà. Il dit, papa, vraiment, il faut seulement aller doucement avec les gens là. Parce que ils te tiennent. Ils te tiennent. J'ai dit au père là, toi, un papa comme ça, tu peux te sucer quoi? Il me dit non, le fait est fait. Pourquoi tu reviens sur ça? Il dit non, il faut clarifier les choses. Tu allais, tu me. Ça dit non, les femmes, vous êtes terribles. Chapeau. Non. Vraiment, là, vous avez fini avec moi. Le père de quelqu'un, ça dit
Non. Ça dit si certaines choses là, ça se passe et que ton père a échappé, ça dit si un jour tu ne vois pas ton père dans les réseaux sociaux, ou bien ton père nuit quelque part, dis seulement Dieu merci. Dis seulement Dieu merci. Voilà les biens même qu'on parle. Les biens, là où vous allez comprendre que les biens là, c'est rien. L'homme là où il est prêt à laisser tout pour retrouver sa liberté. Il est prêt. Donc, les gens qui se disent, oh, tel immeuble, machin, il sait qu'il n'a pas travaillé avec son agent. Là où il est là, il veut juste qu'on ça me signale la direct qui a attaqué, souffle, mettez le cœur et partagez. Là où il est là, là où l'homme là est là, il peut laisser tout et fuir. S'il entre en Centrafrique, c'est fini. Et là-bas même, s'il entre, l'autre président là, il a ses lingots d'or. Tu es encerclé, tu ne peux pas aller par la Guinée, tu ne peux pas. Au Gabon, il a menti qu'Ali Bongo est mort. Et le grand frère là, le président là, lui, il n'aime pas qu'on s'amuse avec son nom n'importe comment. Là-bas, il a dit qu'Ali Bongo est mort. De l'autre côté, il allait frapper 50 milliards. De l'autre côté, 50 millions ou combien? De l'autre côté du Congo, il a frappé les David et Boutou. Ça, il est encerclé. Pour que les hommes la partent là, il faut qu'ils prennent l'avion à Yaoundé ou à Douala pour sortir. Mais non, quand vous entendez que il dit qu'il paye d'armes pour savoir les trucs que nos frontières, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Et ceux qui disent que je ne dois pas parler de ce pays, je suis Camerounais, c'est notre pays. Si un pays ne me plaît pas, je dis que ce pays, on ne coopère pas avec ce pays. Oui, j'ai vu des candidats, par exemple en France, qui disent que si moi je suis au pouvoir, on ne deal pas avec ce pays. Ce pays nous cause des problèmes. Je suis de l'Adamawa, l'histoire de kidnapping et tout, nous touchons ça du bout des doigts. Tous les jours. Si ce pays était stable, des gens qui ne peuvent pas manger, si c'est que si on coupe le pont de Douala, le port de Douala, à ces gens, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas. Donc, j'ai le droit de dire si tel pays est bien pour nous ou pas. Oui. Quelque chose qui s'est passé dans un salon, j'ai parlé, c'est un secret d'État. C'est un secret d'État. Quelque chose qu'on arrive, j'ai dit que bon, on était chez tel président, il est sorti avec le déambulateur, il a fait ceci, il a fait cela. C'est un secret d'État, dites-moi un peu. Dire que quelqu'un déambule, c'est un problème. Jusqu'à on dit que je suis persona non grata dans un pays. Je parle de vous foutre quoi là, il y a quoi là-bas? Je suis Camerounais, attention. Je vais faire quoi là? Et à cause de moi, le président Biya a reçu ce monsieur. Lui, il est ingrat même à la limite. Hein. Il va porter plainte à l'autre, Jipa Remingolo à Bangui. J'imagine Jipa Remingolo quitter Paris, aller répondre à une convocation à Bangui. Ça, c'est mieux qu'il rentre au Cameroun. Hein? Donc, moi, président de la République, je bloque tout, c'est-à-dire, ces gens-là, ils ont tué un Camerounais. Ils l'ont égorgé, vous assurez. Et vous voyez la vidéo, si quelqu'un veut la vidéo, vous m'écrivez sur ma page officielle, je passe ma mode officielle, il y a un numéro là-bas, vous m'écrivez, je vais vous envoyer les vidéos, vous allez voir. Pourquoi je dis qu'il faut couper tous les liens avec ce pays. C'est un voisin poisson. Ok, si, c'est un voisin poisson. Donc, comment est là-bas? Comment lui, tout son compte, donc, comment lui n'a pas de problème? Mais pour dire vrai. L'histoire de Kouemo et les hommes-là, là-bas, c'est les hommes-là qui a raison. Moi, l'histoire de Kouemo, je parle de Kouemo tous les jours, mais là-bas,
comme moi, vraiment lavé ces hommes-là. Quand il disait que vous avez bouffé mes 200 millions, c'était vrai. Donc, la partie où c'est vrai, j'ai dit que je vous dis que non, c'est vrai. À partir où c'est pas vrai, je vous dis que ici, ma. Les hommes-là pleurent comme merde. Mais là où vous voyez qu'ils détestent les Bamileke, là, c'est à cause de Kouemo. Hein. Et Kouemo a lavé, et la manière qu'il fait là, je vous jure que s'il est devant Kouemo, il boucle sa bouche. Ce n'est pas les histoires qu'il dit, vous ferme ta bouche, machin. Il dit que quand il est devant Kouemo, il devient comme un chat. C'est Kouemo a dompté ces hommes-là. C'est-à-dire, il laisse Kouemo, hein, il part attaquer l'ambassadeur, il dit à l'ambassadeur, il va dire à Kouemo, Kouemo est humanité. Pourtant, elle a le numéro de Kouemo. Un jour, on était ensemble, on était en train de manger. Quand nous sommes là, Kouemo, il a baissé la tête comme ça. Et quand Kouemo n'est pas la merde, il est sûr. Ça là, je vais traiter, je vais parler au président. J'ai dit, hein, vous savez à quel point j'ai aidé le Cameroun avec cette histoire de Amogou qui appelait des gens qui se font passer pour des présidents. La médaille que je mets souvent sur ma veste là, c'est pas les histoires de secte, hein. C'est une médaille qui m'a été décernée par un chef d'État. Ça m'a été décerné par un chef d'État. Donc, et c'est pour les bons et loyaux services que j'ai rendu à la nation. Pas seulement le Cameroun. Oui, pas seulement le Cameroun. En passant, je salue le vice-président de la Guinée équatoriale, le grand frère Théodore. Non, je ne lis pas cette commentaire du coup. Chocolina est là. Donc, j'ai dit que Kouemo a lavé les hommes-là propre. Comme son médicament des hommes-là. J'ai dit que Kouemo est son médicament. Là, si on me demande que entre Kouemo et Zomla, qui a tort, je vais dire que c'est Kouemo. C'est-à-dire qu'il a lavé Zomla, Zomla respecte Kouemo. Il te voit, tu dis que tu es Bamileke, il dit, les gens de Kouemo. Dès que tu es nordiste, c'est Bachir qui t'a envoyé m'espionner. Dès que tu es Bamileke, c'est Kouemo. Donc, ces gens-là, c'est des lâches, mes chers voisins, chers voisines. Quand j'étais entre leurs mains, ils m'ont sali. Ils ont sali ma réputation. Ils ont touché à mon honneur, mon honneur et tout. Maintenant que je suis face à eux, ils sont bouche bée. Aucun journaliste ne se lève pour défendre leur patron face à un petit Bachir. Vous comprenez cette histoire? Ça vous étonne pas? On ne vous a jamais posé cette question? Que depuis que je lave, je rince à mon goût, je rince Maman Sarah, je verse l'eau de Javel sur Maman Sarah et tout. Personne n'a déjà fait lever pour dire que Bachir a fait ceci, Bachir a fait cela. Vous voyez à quel point ils sont lâches. Ils sont lâches. C'est des lâches. Et j'invite les gens à ne pas. C'est-à-dire, ces genres de personnes. Quand je suis allé à Condé, j'ai trouvé David et Bouton. Je suis posé avec lui et tout. Il m'a dit ce qu'on va faire. C'est-à-dire, on l'arrête. Il est docteur aujourd'hui, hein. On l'arrête. Les images ne font que passer en boucle pendant une semaine à la télé. David et Bouton ont été arrêtés. Deux escrocs à la saison 4. Moi, PDG de mon état, PDG, CEO, il m'arrête, il me met les menottes, on me filme, il m'interroge, c'est lui qui est dans son bureau, c'est-à-dire, tu arrêtes quelqu'un, tu ne parles pas au commissariat, il n'y a pas de confrontation, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, tu dis, tu appelles, tu finis de faire ce que tu as fait. Nous, je suis allé à son bureau à 11h. Ils sont quittés de là à 17h. Qu'est-ce qui explique ça? Il avait transformé Vision 4
en commissariat, il t'arrête, c'est lui qui te pose des questions. Après, il finit l'appel de policier pour venir te chercher. La vidéo, il m'a fait arrêter. Il n'y avait pas de policier. Ce sont ces gardes du port. Et maintenant que je suis dehors, la même télévision qui me salissait, la même télé, le lendemain du jour qu'on m'a arrêté, les partenaires ont fait ma fête dans leur émission. Les dinosaures de quoi là? Une bande de. Voilà l'autre. Mais lui, l'homme l'a dit que il est en train de réfléchir, il va certainement le reprendre. Monsieur KFC. Voilà quelqu'un qu'on bousille comme ça, on part faire les opérations, il part manger le poulet. C'est-à-dire un bon villageois, hein. Je vous ai dit à la fois parce qu'il y a un adage, c'est celui qui dit que tu peux enlever quelqu'un du village, mais tu ne peux pas enlever le village de sa tête. On te fait. Ça. Il ne sait pas que le poulet pané là avec les machins, on appelle ça quoi, le ketchup avec les frites de pomme. Ça, c'est dur à faire passer. Mais tu vas faire l'opération. Tu vas gâter. Ça dit que. Zom a été fâché. Parce que l'opération, la coûte cher. Hein. Moi, je ne savais pas qui avait ce genre d'opération. Je vous jure. Moi, si je ne connais pas quelque chose, je vous dis, la semaine passée, je vous avais dit qu'il y a certains journaux qui m'ont décrit comme un structuré homme d'affaires. C'est vous qui m'avez informé. Et les autres sont les enfants chéris. Ils ont respecté le code. On dit qu'on boit seulement les yaourts, on ne fait rien. Ils ont, l'opération a réussi, ils sont rentrés, ils ont recommencé le travail. Oui. Donc, le proxénète, patron PDG, les gars viennent là saper. Hein. Ah, ma chère, qui parle. Après là. Les gens qui sont dans les histoires de guerrier là, ils appellent. Tu vois le gars qui était en veste bleue là, non? Je veux ce gars ce soir. Ah, mon gosse appelle. Il y a tel qui t'apprécie, hein? Il faut t'apprêter le soir, tu pars. Il amène ses gens, ses outils de travail pour faire l'opération. Patient, tu marches, tu te désolidarises. Pourquoi on ne pouvait même pas? On devait enfermer Martial dans sa chambre. Le gars passé, il a vu les poulets. KFC, il est allé prendre un saut, hein. Ça dit, tu sens que l'homme bêti est foncièrement non. Il est allé chercher un saut de KFC. Le lendemain, avant midi, il appelle le docteur, je vais aller au toilette. Docteur, non, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller aux toilettes, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il dit non, pas, il dit, c'est juste pour les réunir, il n'y a pas de souci, allez-y monsieur. Vous savez que les whites sont polis dans les histoires, hein, avec les histoires des LGBT là, les gars sont polis, mais respectueux. Ils disent que vous pouvez aller, vous allez respecter les consignes. Il dit non, moi hier j'ai vu, il marche dans la nuit, il sait que ça, mais il ne sait même pas comment, quand on dit, tu veux un digestif là. Il ne sait pas comment ça marche. Il se contente seulement de manger. Le lendemain, pap, on commence à appeler le white que non, il n'est pas très gâté. Martial veut aller au pareil. Les autres, c'est coépous. C'est coépous. Quand c'est les hommes, on dit quoi, c'est coépous. Oui, c'est coépous. Ils sont venus là. Comment toi aussi tu as fait ça? Moi j'ai vu, je n'ai pas fait. L'autre, comme lui, c'était pas sa première fois d'aller en Bénin. Lui il connaît et tout. Martial est allé gâter. Il a pressé, il a fait tout pour ne pas. Finalement, il est allé lâcher. Tom a été fâché. Il dit que non, tu connais combien ça m'a coûté. Et le temps, gna 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 gna. Martial ne pouvait pas se coucher comme ça, non, le gars, tu s'est couché là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te l'as chassé à l'autre. On ne t'avait pas dit, tu ne respectes pas les consignes. Tu as dit, Zom l'a même épité de lui quand il a vu que Martial était couché comme ça. Il dit que ça va.
On va rentrer au pays. Tu vas revenir après. Et il est reparti après. Donc, on essaie d'apprendre. Tous les jours, on apprend. Donc, maintenant. Et quelqu'un que tu utilises pour avoir de l'argent, pour vos sectes et tout. Pour vos sectes et tout. Tu te lèves un matin, toi prisonnier, tu dis que moi, Martial, je dis que je ne quitte pas. Je t'assure. Tu vas m'utiliser pendant des années, jusqu'à j'ai dit que je suis comme un papier entre tes mains. Tu viens me dire que on va me faire quoi? Qu'on t'a chassé. Il dit va, je vais réfléchir. Martial part maintenant, camper hein, à Konengi. Comme si tu voulais rencontrer un ministre, pourtant c'est un prisonnier. Il cherche à voir Zomla. Zomla dit non, on va, je vais réfléchir. Et je sais qu'il va le reprendre, vous allez voir. Quelqu'un te fait un truc comme ça, il te licencie, c'est-à-dire il te chasse comme un malpropre, mais ça va pas là. Moi, je gâte, moi à sa place, je gâte tout, je parle. Je gâte tout, je dis. Vous savez, quand un mot m'a arrêté, je m'excusais. Quand un mot m'a arrêté, je suis sorti, j'ai un papa, il m'a dit Bachir, tous ces gens qui ont compliqué pour t'arrêter vont se séparer, tu vas voir. Il dit, mais ils vont se séparer comment? Il m'a dit que tous ces gens qui ont compliqué pour te mettre en prison, pour te faire du mal, ils vont se séparer. Je suis moi entré, je n'ai pas fait un mois, quelque chose, je suis sorti. Après, pam, il arrête Obama. Après, pam, il chasse par terre ici. Après, pam, jusqu'à ce qu'il arrive sur lui-même, à mon gouvernement. C'est-à-dire, je respecte ce papa. Et depuis ce jour, j'ai gardé de très bons contacts avec lui parce que. Chez nous, les musulmans, faire le doigt pour quelqu'un, ça dépasse de l'argent. Il m'a dit ça et j'ai vu. Il m'a dit, tous ceux qui ont compliqué dans cette histoire, même moi-même, je ne suis pas saint, hein, mais dans cette histoire, je suis victime. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis victime. Donc, je ne m'acharne pas, je n'ai même pas besoin de me justifier si c'est que je m'acharne sur Amadou Bellinga ou pas. C'est un prisonnier. Il est en prison pour meurtre. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Amougou n'a pas volé de marmite. C'est pas un voleur de marmite. Il a tué Martinez Zogo. Il a dé... Je ne veux même pas parler parce que... Ça fait mal. Imaginez-vous, vous avez des frères, vous avez des sœurs. Tu retrouves ton frère. Je vous dis qu'il y a plusieurs gens qui n'ont pas eux de nom. Comme nous autres, nous, c'était médiatisé, tout le monde connaissait notre problème. Il y a plusieurs qui sont passés par là, sans qu'on ne sache. Imaginez si Martinez Zogo n'était pas un homme public. On devrait bien savoir. Tout comme sa DAF, la directrice des affaires financières, qui est morte. C'est-à-dire une succession d'événements malheureux les uns que les autres. C'est-à-dire, ça ne se comprend pas. Et je vois des gens se lever pour défendre ces gens. C'est toujours l'argent qu'on cherche comme ça. Je vois des gens mettre la photo. Maintenant, hein, tous les pros-hommes l'ont fui. Parce que ils m'attaquent, moi j'attaque à mon bout. C'est à mon bout que je connais. Sobajo Babana, Sobajo Bingel, tous les jours je vous dis, l'ami du père n'est pas l'ami du fils. Je ne peux pas m'accrocher sur un Tinda de Amougou. Non, il me parle là, c'est mon chauffeur qui se charge de répondre. Et moi, j'attaque Amougou Bellinga. Oui, oui. Et là, les dossiers d'Amougou Bellinga, j'en ai beaucoup. Ce que je vous dis, c'est peut-être le 1/10 de ce que je connais. Il y a des dossiers plus lourds qu'Amougou a peur
chaque fois que je fais les directs, je suis sûr qu'ils me regardent là maintenant. Et même s'ils ne me regardent pas, il n'y a pas quelqu'un qui a le temps au monde comme un prisonnier. Un prisonnier peut te regarder 10 films par jour. Hein? Ah oui. Il va voir. Il y a des gens qui partent se dire que ton type est sorti. On dit, ah ok, c'est sur YouTube ou bien sur Facebook. Il va voir. Il dit, donc, il croit que je vais sortir. Il dit que je suis plus nuisible à l'extérieur qu'à l'intérieur. Avoir un ennemi comme moi là, mieux si j'étais au Cameroun, si j'étais au Cameroun là, il y a des choses que je ne peux pas parler. Aujourd'hui, quand je parle du ministre des Finances, quoi va m'arriver? Si je fais ça, quoi va m'arriver? Hein? Donc, je suis nuisible à l'extérieur qu'à l'intérieur. Là où vous m'avez, tant que je suis dehors, vous allez avoir des problèmes tous les jours. Je sors d'un voyage comme ça. Et j'ai dit, si j'arrive, on va faire l'indirect. Donc, je suis dangereux et nuisible à l'extérieur, si c'était à l'intérieur du Cameroun. Vous savez, il a monté un faux, un truc, et il m'a mis en contact, on a fait un appel vidéo, machin, avec un homme de Dieu, où il dit que non, qu'on laisse, je reste tranquille, c'est passé, machin, on fait la paix, on a fait la paix. Après, il parle encore. J'avais un projet de télévision parce que au Nord, nous n'avons pas une télévision digne de ce nom. J'avais eu des financements et tout pour refaire la télévision. Lui et Moutazi, ils sont allés gâter ce projet. Après, j'ai amené les Turcs qui devaient faire les plaques solaires à Garoua et Maroua. Dès que Moutazi a vu mon nom dedans, ils ont renvoyé la méchanceté. Il dit que mais donc on fait la paix, et toi par derrière, tu pars me faire le coup, tu vas payer le prix. Et tant que je suis vivant, je vais me défendre. Pas pour moi. Moi, je me défends tous les jours. Et je sais, jusqu'ici, des coups qu'il me fait. J'ai des biens qui sont bloqués à Yaoundé, j'ai des trucs à Douala. Il fait des choses. Mais qu'il sache que la route tourne. Qui pouvait imaginer? Quand je vous disais qu'on allait arrêter à Moukoudenga, qui pouvait imaginer? Aujourd'hui, il est un prisonnier lambda. Le régisseur sait que. Le régisseur est allé se renseigner. On lui dit que quand Bachir était ici, il est sorti, il a fait qu'on a viré l'autre régisseur. Oui, j'ai dit. Donc, le régisseur. Maintenant, le régisseur fait l'effort qu'on ne fasse pas entrer certains trucs qui venaient souvent. Et il y avait la dernière brunette qui était allée là-bas, qui a failli être violée et tout. Maintenant, le homme là, il s'est calmé. Il sait dans sa tête qu'il est prisonnier. Et il encaisse. Et c'est ça, la vie. Donc, Benoît, il faut envoyer ton invitation. Et tu parles et... Voilà, c'était Benoît. Benoît, c'est lui que je vous avais dit que Zom l'a frappé, mais il refuse. Ou bien Zom l'a aussi ses vidéos. Je sais qu'il vient nous dire ici. Parce qu'après, beaucoup m'ont appelé. Benoît est où? Bonsoir Anastasie. Oui, mamie, la route. Benoît! Bon, attends, je renvoie encore.
Voilà. Maintenant, j'ai envoyé. Oui, c'est renvoyé. Benoît ne prend pas. Il y a encore qui? Benoît, tu fais quoi? Voilà, j'ai renvoyé. C'est quoi moi qui te manipule? Benoît, j'ai envoyé. Ou bien tu ne peux pas sortir. Bon, je vous donne un numéro. Bon, j'ai renvoyé. J'ai encore renvoyé Benoît. On dit que c'est. Personne n'a pas pu participer en raison des difficultés techniques. Aya, là, tu es zomba, 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 t'as déjà. Non, c'est zomba. Ok. Renvoyez ceux qui veulent l'appeler. Renvoyez, hein, je vais. Bon, Benoît, j'ai encore ajouté. Benoît, j'ai ajouté. C'est quoi moi qui manipule? Bon. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez, je vais donner le numéro WhatsApp. Vous allez appeler. Bon, essayez un peu de. Bon, vous pouvez appeler par WhatsApp. Hein. Vous mettez plus 237 659 49 35 33. Aidez-moi à épingler le numéro. Plus 237 259. Plus 237 659 49 35 33 659 49 35 33. Quelqu'un m'aide à. Vous pouvez appeler par hasard. Bon, voilà, j'ai encore ce. Donc, 659 49 35, 33. Benoît, tu peux appeler, hein? Oui, allez, allez, oui, c'est bon, c'est bon. Oui, allez, ça, oui. Benoît va intervenir, et même si c'est pas Benoît, vous pouvez appeler, hein? Mais ici, nous ne prenons pas, il n'y a pas de démocratie ici, on prend les ennemis. Les hommes là. On ne prend pas les faux hommes là ici. C'est la dictature. On prend les faux peuples, les faux Bachir. Donc, on ne prend, si tu es contre, si tu n'es pas dans notre ligne éditoriale, tu ne parles pas. Donc, vous pouvez appeler si vous ne pouvez pas qu'on voit et tout. Vous pouvez appeler. Benoît, appelle-moi sur le numéro que je t'ai. Écrit, attends, je t'écris.
Bon, Benoît dit que. Allô, Benoît? Merci, merci. Bonsoir, Benoît. Mais c'est bizarre, il pleut beaucoup. Oui, j'ai accepté plusieurs fois. On dit que. Oui, là, Qu'est-ce que vous écoutez, Benoît? Non, il nous suit, il nous suit. Tu dis? Non, il est éveillé parce qu'on m'a écrit là qu'il est en train de nous suivre. Je ne voulais pas seulement parler. Tu connais une autre personne qui est là-bas? Il fait un bon travail. Ah bon? Oui, bon, oui. J'avais fait l'erreur de dire juste téléchute. C'est 3 heures téléchute. Oui. Trois actes et les suites, c'est ça? Oui. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connecting successfully. Oui, Benoît, vas-y. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Maintenant, on a du mal à te suivre, hein? Oui. Ce qu'on appelle le parjou, dit qu'il a acheté la télévision sur le blanc, alors pourquoi on ne l'aide pas? Monsieur Lucas Montazé, il fallait dire que vous avez volé l'argent à ma salle. Quand vous avez mis la télévision 4, société fictive, à l'époque de fait, Vision 4 n'existe pas officiellement. Vision 4 a été créée en 2007 et fermée en 2016. D'après le document que nous avons en notre possession, dont Vision 4 n'existe pas. Je ne sais pas s'ils ont refait l'immatriculation, mais à la date de la réalisation de leur coup, ce que j'appelle la casse de l'ambassade, la casse de l'ambassade du Cameroun à Paris. Vision 4 est une société fantôme et n'existe pas réellement. De toute façon, monsieur le ministre, tout a
souvent gentiment non dans un livre, parce que les délits s'effacent, le livre ne s'efface pas. Ces preuves seront mises à la disposition des Camerounais, parce que c'est l'argent des passeports et des visas que vous avez volés. Vous avez volé comment? Vous êtes venu déposer en France des faux documents du trésor. Vous avez transformé votre ministère des Finances en ressenir. Ça m'a fait comme si il est venu avec des monnaies d'argent en espèces qu'il a déposées au trésor, que le trésor a envoyé à l'ambassade du Cameroun, et l'ambassade du Cameroun a fait un chèque pour la caisse des avocats. Vous allez comprendre pourquoi Martinez est mort. Maintenant, ils ont dû toucher un transfert officiel pour l'ambassade. Compliqué. Pour ceux qui nous écoutent, c'est comme si vous allez à Carrefour faire les courses. Vous sortez enterrer le ticket de caisse. Vous rechargez les courses dans votre voiture et vous revenez avec le même ticket, reprendre les mêmes courses et dire au vigile, j'avais oublié mon pas. Ça, c'est la pratique du vol à l'étalage que M. Boutazé a fait. Quelle honte pour ce ministre que j'ai vu à Paris aux côtés du président. Ce voleur. Parce qu'en plein Martinez. Mais il y a aussi quelqu'un que tu évites de prononcer son nom. Et type qui est géant derrière le président. Là. Vous parlez de Samuel Wandaïno? Oui, oui. C'est le même groupe. Blanchiment d'argent, par les mêmes procédures comme à la Champos. Non, jamais, jamais. En plus d'être un tueur en série, il est... Non, on peut dire, on peut l'appeler directement, on n'a pas peur de lui. On dit à Mugu Belinga, il doit faire quoi? Les hommes-là se donnaient beaucoup d'honneur, moi je connais les femmes et tout. Quand ils ont fait la marche de soutien, déjà on a arrêté les autorités à plusieurs reprises. Quand ces blancs environ sont arrivés au Cameroun, arrêté les gens de voir. Ils n'ont pas été arrêtés par le service. Donc ils ont compris notre message. C'est pour ça qu'on a senti le communiqué lors de la marche de soutien à Mordeline à Paris.
le Seigneur venait le physique donner son à votre marche, on allait le poursuivre. Vous qui êtes à Paris, ils ont respecté. On n'avait pas vu de physique télé suivre là-bas. Maintenant, nous pouvons voir, vous avez mis le service français dans la grosse mer. C'est un blanchiment qui ressemble à la fête du Qatar avec l'Union européenne. Nous, la dame a commencé, pas la commissaire, la vice-présidente a été rosée par le Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes des brûles, nous sommes en même temps. Et c'est des milliards de contribuables. Voilà pourquoi les capitaines meurent dans les hôpitaux, faute de soins. Parce que les milliards, vous êtes venus les déposer ici. Monsieur le ministre, en charge des comptes publics, vous avez transformé le ministère des Finances et l'argent public comme votre argent. Et vous marchez la tête sans vous rendre compte. Oui. Quand j'ai dit Martinez deux jours avant sa mort, que mes frères regardaient, ils me prennent pour moi la vie. Ce n'est qu'un pas. La question de l'homme pécunier des blocs. Maintenant, ta connexion n'est pas bonne. Hein. J'aurais voulu que tu passes en direct. C'est pas Vraiment, je crois que là maintenant ça va bien. Allô? Bon. Benoît, ça refuse, c'était pas audible. Donc, Benoît, c'est lui, le PDG de 3A Télésuite, où Zwombla et Moutazé sont allés braquer avec l'argent. Ils ont menti que l'argent a servi pour acheter. Pourtant, en France, il y a un procès là-bas. Dieu merci. Il a été arrêté avant qu'il ne frôle la France, parce que là-bas, il devait être dans des... Il devait être dans de... Oui, mais non, je... Bon, attends, je vais te prendre encore. Voilà, maintenant, j'ai accepté. Alors là, maintenant, je pense que c'est bon. J'ai accepté. Tu prends alors... Oui. Oui. Prends, Benoît. Je vais l'envoyer. Donc, comme je disais, c'est le sujet du jour. Et ne dites pas que nous parlons pour rien. Non, non, je ne fais pas longtemps, juste à l'heure, si, en train de parler. Nos directs ont fait en sorte qu'on arrête deux conférences. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui est le close d'homme la disent qu'on va l'arrêter, on va la libérer, machin. Mais on recommence tout à zéro. On va aller prendre le beau-père. C'est-à-dire, vous partez tuer quelqu'un. C'est-à-dire, je ne sais pas comment les gens font. Tu appelles ton beau-père. Vous,
monter un plan pour partir tuer quelqu'un. Tu reviens, tu te dis à ta fille. Je reviens, Benoît, ça dit échec. Tu reviens, tu dis à ta fille que nous avons tué tel. Vous restez, vous causez rien. Heureusement que tout ce qu'on a arrêté, on va vous reprendre. Les deux commissaires là, je les avais dit, j'ai appelé même un, je lui ai dit que tu es dans le poil, on va t'arrêter. Il dit non, non, il maîtrise. Maintenant, il est à Colombie. Deux commissaires, pas à Colombie. Et, c'est-à-dire, ils sont en train de lutter sur deux fronts. Il s'appelle qui? Ivana Esomba, qui est en train de vouloir sortir du pays, mais elle n'est pas encore sortie. La police camerounaise a pris toutes les dispositions. Ils ne veulent pas se rendre. C'est Laurent Esso qui bloque, mais tout comme il a bloqué pour Amougou, qu'on disait intouchable, il est là. C'est un défaut de dire au peuple camerounais que moi, j'ai fonctionné avec Amougou, il mentait aux gens qui causait avec le président. Vous croyez que je n'ai pas rendu service au président? Il y avait des ministres qui étaient convaincus que leur vie était entre les mains d'Amougou. Il y avait des ministres qui ont appelé pour remercier. Il y a des ministres qui disaient que non, Amougou a dit le prochain gouvernement, je vais être envoyé au ministère des Finances. Un menteur olympique. Je suis le premier Camerounais à dire attention. On a négligé parce que je suis Ouadjo. Là, je suis sûr. Là, je suis pas en train de me finir ou quoi que ce soit. On a négligé juste parce que je suis Ouadjo. Et même Martinez, là, si Martinez n'était pas du pays organisateur, c'est-à-dire Ekang, ça allait passer inaperçu. Si Martinez était Bamileke, ça allait passer. Mais, comme il a mangé, on dit quoi, le chien mange des choses. Donc, il est allé toucher jusqu'à toucher son propre fer de sang. Il est là. Moi, j'avais alerté. Si à l'époque, on m'avait écouté, j'ai été le premier à dire, avant même qu'on construise l'immeuble Ekang, à dire, allez à Vision 4, aller fouiller, il y a des choses. Ils ont négligé parce que c'est Ouadjo. Si c'était une autre personne qui demandait, si c'était une autre personne, il parlait quand vous parlez, mais c'est ce qu'il m'a fait. Si c'était aussi du pays organisateur. Si je ne fais pas partir, j'allais dire que jamais je ne parle à aucun état. Et vous connaissez le lien que j'ai avec les états. Donc, info du jour, Ivana Esomba doit aller, le juge t'attend. Tu es innocent, tu fuis. Tu es innocent, tu fuis. Tu es innocent. C'est-à-dire, je ne sais pas comment quelqu'un peut se réjouir jusqu'à quelqu'un. Il y a un gars là, il a fait trop de bruit. Et moi, avec mon bon cœur, j'ai dit à ce gars que si tu descends là, on va t'arrêter. Voilà tant que tu as dit, sans savoir. C'est pour ça qu'on dit souvent que bavarder trop n'est pas bien. En voulant aider Amougou, il a appelé Amougou et il a touché quelqu'un qui a agi. Dès qu'il va arriver au Cameroun, paf, on va aller en France. Mais moi, si tu as fait une si tu viens en France ou bien, ou reste là-bas, parce que si tu pars, tu te mets. C'est tout comme j'ai dit au commissaire là, parce que j'ai dit mon commissaire, là, vous êtes là où vous êtes, on va vous planer. Il a dit non, je ne fais rien, machin. Il ne sait pas que les enquêtes avec ça, ils avaient fini. Pauline dit que Amougou est un menteur patate. Un menteur pro-max. Un menteur
olympique. Donc, maintenant, il est en train de nous suivre. Sur un lit, c'est-à-dire, on voit quelqu'un qui dit, ah, j'ai les dettes privées. C'est des dettes qu'on loue. Bon, je peux louer une dette là, j'écris, PayUbas Invest. Je prends les autocollants, je colle, je fais les vidéos, machin. C'est des dettes qu'on loue. Et ce n'est même pas cher comme les gens pensent là. Les histoires de dettes là, ça impressionne les Camerounais. Sans que tu vois même la voix, un truc volant. Je ne sais pas qui était allé dire je crois, ce qui s'est passé dans un avion avec ce même homme. Ça, c'est des trucs qu'on a mis hors circulation dans les pays. On appelle les pays, d'accord. Le pays où il y a des narcotrafiquants, là. Tout comme l'avion de Patricine. Donc, dire. À un moment que Amougou Belinga ment, il ne cause pas avec le président, il était un défaut. Vous savez combien de personnes ça a sauvé? Il y a un ministre que, quand il a su qu'il s'est fait rouler, Amougou ne savait pas que le ministre a su déjà, il l'avait prévenu. Amougou a appelé, bon, je vais rendre compte au chef de l'État, il faut le signer, je vais. Le ministre a dit que je ne signe pas. Va dire à Major à ses demandes. Idiot. Le ministre a signé à expliquer à mon. Ah, mon ne savait même pas ce qui se passe. Il dit que. Le ministre dit idiot. Va dire, comme c'est pour le Major à ce qui m'a nommé, va dire c'est fini les manipulations là. Donc, vous êtes dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, même le président, même. J'ai sauvé le président dans cette histoire parce qu'il partait mentir. J'ai dit que tous les ministres savaient qu'Amougou partait manger avec le président chaque soir. Tous. Et le premier Camerounais à se lever et dire aux gens qu'il ment, il ne cause pas avec le président. C'était moi. Ça reste dans l'histoire. J'ai dit à ce ministre-là que, papa, tu causes, depuis que tu parles là, c'est pas avec le président bien. C'est le président de Vision 4. Il dit non, Bachir, comment? J'ai fait un truc pour démontrer que c'est vrai. Il a alors compris. Amougou a appelé. Oui, monsieur le ministre, vous devez envoyer l'argent, vous n'avez pas envoyé. Moi, demain, je n'aime pas les comportements. Il dit, vous êtes qui? Il dit, c'est moi, Amougou Belinga. J'attends que vous allez vous signer les papiers là pour que je commence les travaux. Il dit, je ne signe pas. Va dire à Major Assi de m'enlever. Dieu! C'est-à-dire, Amougou a suscité que c'est le gars qui dit ça. C'est comme le ministre a dit idiot, le ministre a été dur avec lui. Hein. Idiot, va dire à Major à se démarrer. Je ne signe pas. Amougou était dépassé. Il y a eu fuite par où. Merci. Donc, Amougou a commencé alors à faire les enquêtes. Là, il ne savait pas que c'était moi, parce que moi, c'est après quand c'est allé, quand il a touché à ma semaine, c'est là où j'ai dit que non. Moi, je savais que Amougou, c'est un ancien voleur du oiseau. C'est-à-dire, il est kleptomane dans le sang. Vous avez entendu comment Benoît disait tout à l'heure comment il a volé à l'ambassade et tout. C'est comme ça qu'il a volé à la Campos. C'est-à-dire, à la Campos, il est allé voler sur des combien de milliards et il appelle les télévisions. Il dit que non, moi j'ai volé, j'ai remboursé 300 millions. Il appelle les journalistes que j'ai remboursé. Mais c'est facile. Ah oui. Les gens qui disent qu'il crée l'emploi. Si vous volez 100 milliards, vous n'allez pas créer l'emploi. Il a quel industrie? Quel? Disons, quand il rapporte l'argent. Donc, lui, il va voler. Dès qu'on demande la provenance de son argent, il dit que non, il est en consultation. Consultation de qui? Tu n'as aucun diplôme. Tu as fréquenté où? Tu consultes. C'est-à-dire, donc, tu vas conseiller un président. Toi, Jean-Pierre, ton petit
ma chaîne même là dépasse le groupe anecdote. Le groupe anecdote te dépasse à gérer. Tous les jours, tu joues au ping-pong avec tes gens, tu dis que toi, tu es allé conseiller. Qui va me... C'est-à-dire, moi, j'aimerais voir le président qui va s'asseoir et écouter le conseil d'Amoukou. Il va te conseiller en quoi? En vol? Hmm? Je ne sais pas, peut-être... Il dit que je suis politologue. Il y a une fille qui l'avait fait ça. On est allé au bureau, on a enlevé tous les... La fille a dit que je vais dire que tu as fait un faux diplôme. Il est allé enlever, je ne suis pas venu qu'on a appris ça, ils ont parlé. Le gars est allé enlever tous les tableaux où il est politologue. Il y a un truc là, il dit qu'il est politologue. Il dit qu'il est politologue. Cher voisin, comment ça va? Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein. Et ça, tu paieras le prix. Tu ne sais comment. Non, on se comprend. Non, le délégué général ne peut pas m'appeler alors qu'ils sont chez toi à la maison. Et je passe. Il t'a appelé tant chez moi. Laisse tomber. Je voulais seulement. Non, cher ami. Non. Le gars m'a appelé. Non. Il est chez moi. Non, c'est pas vrai. J'ai eu deuil et il est venu me rendre visite. Depuis quand il vient ici? Mais j'ai dit que j'ai eu deuil. Je suis en deuil. Oui, d'accord. Ben, ne t'énerve pas. Pourquoi tu es énervé? C'est vous qui me combattez. Non. Moi, je t'appelle même tout simplement parce que on s'est connus depuis. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Alors, est-ce que. Voilà la vérité. Non, attends. Attends. Attends, depuis qu'on t'a nommé, je suis venu chez toi. Non, on est des voisins, est-ce que je viens là-bas? Non. Mais, n'oubliez pas que le monde peut changer. Mais ça a changé, tu es en prison. Attends, SG. Vous pensez que Paul Biyane ne commande plus ce pays? Ok. Bon, quand tu me. Attends, entre nous, quand tu me dis pas me régler tel problème au ministère de la Justice, je t'ai déjà demandé 1000 francs. Mais c'est ce que vous dites là-bas. Quand je fais muter tes copines et tout, qu'est-ce qui se passe même? Tu as perdu la tête. Attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête? Non, mais comment? Je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à moi. Mais est-ce que je t'ai déjà parlé comme ça? C'est que je n'ai peur de personne. Non, mais parce que tu veux que je te dise à quelle heure ils sont arrivés chez toi? Mais j'ai dit qu'ils étaient chez moi. Oui, mais est-ce que toi-même tu connais la conjoncture? Est-ce que tu me dis, Mango, n'est-ce pas, tu passes, on est à 200 mètres, tu passes ici, tu m'as déjà dit bonjour en 3 ans. On te dit bonjour, pourquoi? Non, ne fais pas de confusion. Mais j'ai dit, quand je veux raconter ça au garde, il va te regarder comment? Comme un prisonnier. Non, mais je dis, je suis en deuil. On vient me rendre visite. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Est-ce que je peux vérifier si je ne suis pas en deuil? De toute façon, bonne nuit. Merci. Le monde est petit. Merci beaucoup. Non. Merci. Moi, je ne t'appellerai plus jamais. Non. Non, mais moi, je ne suis pas. Moi, je ne fais pas la langue de bois. Vous voulez enlever vos policiers? Vraiment? Ne commande plus ce pays? Vous voyez comment il menace le numéro 2 de la police camerounaise? Il dit que vous allez payer le prix. L'autre aussi m'intéresse beaucoup parce que. Ici, il a montré qu'il tue les gens. Ça, c'est le numéro 2 de la police. Vous enlevez le père Bakangé, c'est lui qui vient. Il parle de conjoncture. Écoutez comment quelqu'un dit que il est fâché parce que tu passes devant ta maison en train de saluer. Non. Bon, quand tu me. Attends, entre nous, quand tu me dis, va me régler tel problème au ministère de la Justice, je t'ai déjà demandé 1000 francs. Mais c'est ce que vous dites là-bas. Quand je fais muter tes copines et tout, qu'est-ce qui se passe même? Voilà deux pères, deux papas qui disent que quand je pars muter tes copines, c'est-à-dire, je me demande si la femme du SG de la police a écouté ça. Et quand je pars muter tes copines,
C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui part au ministère de la justice, il affecte ce qu'il veut, il enlève ce qu'il veut, il nomme ce qu'il veut, et puis vous voulez qu'on dise qu'il n'est pas la femme de Dussault. Ce n'est pas une femme qui veut faire ça. D'où il tient ce pouvoir d'où, à part dans les histoires de derrière. Tu as perdu la tête. Attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête. Non, mais comment, je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à moi. Mais est-ce que je t'ai déjà parlé comme ça? C'est que je n'ai peur de personne. Non, 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 je suis mais parce que tu veux que je te dise à quelle heure ils sont arrivés chez toi? Mais j'ai dit qu'ils étaient chez moi. Oui, mais est-ce que toi-même tu connais la conjoncture? Est-ce que tu me dis encore, n'est-ce pas, tu passes, on est à 200 mètres, tu passes ici, tu m'as déjà dit bonjour en 3 ans? Vraiment, j'ai dit, quand je veux raconter ça au garde des sous, il va te regarder comment. Non, mais je suis en deuil. On vient maintenant de visiter. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Est-ce que je peux vérifier si je ne suis pas en deuil? De toute façon. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, merci, 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 merci. Mais le monde est petit. Merci beaucoup. Non. Merci. Moi, je ne t'appellerai plus jamais. Non. Moi, je ne fais pas la langue de bois. Si vous voulez enlever vos policiers, vraiment. Non, ce n'est pas ça. Mais vous vous prenez même pour qui? Non, merci. Vous prenez pour qui? Merci. Comment? Merci. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur le président. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu 2 fois en Centrafrique, là. Je n'ai pas pu vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur l'ambassadeur, vraiment, ne me dites pas ça. Bon, écoutez un peu ici. Je ne suis ni ta responsable, je vous assure. Écoutez ici, tu appelles l'ambassadeur. L'ambassadeur dit oui, président. Après, quand il continue, l'ambassadeur a tellement peur, il appelle, c'est lui qui appelle à Mougou, monsieur l'ambassadeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Écoutez. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur le président. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu 2 fois en Centrafrique, là. Je n'ai pas pu vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur l'ambassadeur, vraiment, ne me dites pas ça. Je ne suis pas content. Écoutez, vous avez entendu. C'est quelqu'un qui dort aujourd'hui sur le lit d'une place à Kondigny qui menaçait les gens comme ça. L'ambassadeur l'appelle ambassadeur. Il a appelé le président, ça ne suffit pas, il dit monsieur l'ambassadeur. Comment je veux pas la dernière fois, j'ai insulté ni ta responsable, ni je vous assure. Mais comment, je ne vous vois pas à Vision 4 tous les jours. Je ne vous vois pas à Vision 4 à chaque cérémonie. Si. Et alors, Vision 4 c'est pour qui? Non, grand frère, écoute. Non, écoute. Chaque fois que je venais là-bas, on venait manger sur vous. On est d'accord. Vous nous recevez. Voilà, laissez-moi finir. C'est moi qui vous appelle, monsieur l'ambassadeur. Il y a quel problème? J'ai appelé le directeur général du Trésor, le ministre des Finances. Il a réglé le problème. Il veut même encore vous envoyer autre chose. Est-ce qu'il y a un problème? Quand il y a même souvent, bon, on est au téléphone. Dès le début, là, je sais que le grand frère est là. On voit. Oui, demi-place. Vous voulez que je raccroche ou quoi? Vous voulez que je raccroche? Mais raccroche. Vraiment, de mon côté, je t'assure que de mon côté, il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, j'arrive à une réunion, tous mes collaborateurs me disent que ce matin, il y avait quelque chose que tu n'as pas vu. Mais attendez, tous les ambassadeurs, lors de l'inauguration même de Vision, tous les ambassadeurs de la République étaient là, sauf vous. Comment pensez-vous ça alors que c'est vous qui nous accueillez? J'ai voyagé avec votre épouse. Dans mon jet privé. Écoute-moi. J'ai compris que vous, les hommes de l'Ouest, vous êtes des pauvres. Écoutez, comment? Qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire pour vous? Non. Vous m'avez parlé là, je vous ai fait envoyer l'argent sans correspondance. C'est comme ça qu'on dit merci aux amis? Vous, les gens de l'Ouest. Chaque fois qu'il y a une cérémonie en RCA, quand il y a une cérémonie en RCA, naissance, je viens manger chez vous. Parce que nous pensons que c'est la fraternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas de fraternité. Parce que vous manipulez. Moi,
Moi, je veux rendre compte. Non, non, non. Je veux rendre compte au chef de l'État donc, de ce comportement-là. Non, non, non. Écoutez, je veux rendre compte au chef de l'État. Et comme quoi, mon traumatisme, le petit problème, imaginez. Comment? Je vous donne des millions. Vous me faites le chantage? Non, non, non. Vous savez bien. Vous savez de quoi je parle. 400 millions que j'ai donné à votre ami Kouemon. 100 millions au ministre des Télécommunications et à bouffer. Vous voulez que je commence à citer avec vous? Kouemon, je sais qu'il a. Ne me provoquez pas, hein. Monsieur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Taisez-vous quand je parle. Vous vous taisez. Et là, il est en prison. Vous pouvez ce que vous voulez. Taisez-vous, monsieur. Vous entendez ça? Vous voulez que je raccroche? Vous voulez voir ma réaction? Vous entendez? Parce que moi, je dois danser. Vous entendez? Mais ce que je dis, c'est que vous avez bouffé mes 400 millions. Vous avez bouffé mes 400 millions avec Kouemo. Parce que vous voulez que je danse. Et chaque danser. Fois, j'intervenais ainsi de suite là. Vous avez fait quoi en retournant dehors de Bénin? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à votre épouse comme argent et vous-même? Parce que je n'ai pas voyagé avec elle dans mon jet. Vous avez déjà mis des dans un jet depuis que vous êtes né. Je suis très déçu. Hein. Bonne soirée, vous n'avez rien à dire. Vous me l'avouez, monsieur. Il t'appelle le matin, il te dit bonsoir. Et je ne voudrais plus que je ne veux plus voir votre ombre à Vision Finance. Je n'ai pas même pas envie d'avoir une bonne idée. Que ça reste là. Écoutez, si vous continuez à murmurer, vous n'avez rien à dire, monsieur. Vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez. Et bonne soirée. L'ambassadeur dit ouais, si tu veux me laisser parler. Amougou t'appelle à midi, il te dit bonne nuit. Il t'appelle à 6h, il te dit bonne nuit. C'est-à-dire. Voilà là où il m'a fini. Fils TV vous raconte comment il séduit et épouse Sarah, la femme d'un autre. N'hésitez pas de cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun. Bon. Voilà, ça c'est la femme du contre-amiral. Contre-amiral Fouda. Qui l'invite chez lui. C'est-à-dire quelqu'un qui s'enregistre jusqu'au jour où ses enregistrements. C'est-à-dire la boîte noire, là, on appelle ça quoi? Qu'on a pris chez lui là. Il oublie qu'on ne peut pas le commencer. Dans les choses que les gens disent, lui-même c'est Caïn, le serveur qu'on est allé parler chez lui. Non, l'ambassadeur là, c'est un innocent. C'est quoi moi qui a mangé l'argent du homme là? Donc, l'ambassadeur a peut-être eu quelque chose, mais. C'est Kouemo. Quand quelqu'un est franc, on connaît. Et moi, je connais cette histoire parce que j'étais encore. Regardez comment il prend la femme de quelqu'un. Ils sont dans la chambre. Il a. Mais attends, tu me parles. Et quand je vous dis qu'on doit placer les ministres dans les conseils généraux, les ministres, vous ne croyez pas? Vous voulez qu'on vous prouve quoi? Il y a quelqu'un qui m'avait dit que tu as le preuve de Maman Sarah. Donc, Amougou m'appelle, je lui ai dit que bon, comme maintenant, je suis là, je lui ai dit bonjour, il repart. Je lui ai dit que je m'attendais à ce que quelqu'un dit non. Mais je suis chez moi, je parle comme je veux. Vous comprenez? La femme du contre-amiral, c'est-à-dire le plus de sommet. Bien sûr, c'est l'argent des Camerounais. C'est l'argent des Camerounais. Comment tu peux te retrouver avec la femme? Je ne vais jamais saluer dans ma vie, alors qu'on est même là. Je ne vais jamais le compte en Iran, je ne vais jamais saluer dans la vie. Tu en dis au nom de Dieu. Tu le salues, vous êtes différent. C'est-à-dire, tu es barbare, tu es. Qui va me faire un petit peu avec l'ambassadeur, avec le contre-amiral, honnêtement. C'est deux mondes. Madame, elle est morte. Vous savez que je suis malade.
Les gens là ont failli me tuer, ils m'ont même été dedans. Comme toi, tu tues les gens, tu penses que tout le monde te tue. Mais vous avez dit à ma femme, ce n'est pas moi. Quand je cherche mon argent, elle est là dans ses gens. Ah, ça fait bien, femme, c'est pas moi. Mais oui, j'accepte que moi, je me dépose jusqu'à la mort, c'est-à-dire que je le soutiens. Bon, tout ce que je donne en banque, là, à quoi ma famille, comment moi, en banque, tout le monde, est-ce que tu as même vu un coup ou une fois, mon aide? Est-ce que bon, ton mari, M. Kouda, il vient lui dire que oui, on vous remercie. Il te dit merci que tu as fait quoi? Nous, quand, dit... quand vous êtes allé faire la fête chez ma belle famille, mon époux, il est dans le canon, on a donné le salopard de lui, 60 millions pour organiser ça. Il n'a même pas dit à ton mari. Là, je te dis, voilà notre commune que je ne connais pas. Il dit 60 millions. Bon, l'autre jour, c'est une femme. Attends, on voit, c'est une dame. C'est ce qu'on appelle même Maro Bakaria. La femme, non, en bas, ça. La femme, là, ne pouvait pas imaginer qu'elle était en bas. C'est ce qu'on a eu. C'est votre mari, Marie-Claire, enlève les policiers chez moi. Non. Pour l'histoire des forces de la police, quand ça chacala entre nous, je suis allé dire que voilà ce qui se passe. Le même jour, on a enlevé. Aussi, est-ce que j'étais obligé d'appeler les gens en Mélène avec les machettes? Vous avez entendu Mélène? C'est là où il y a l'hôpital universitaire. C'est achevé. C'est son ancien. Un quartier. Amoubou connaît tous les coins et recoins de ma soeur, de Mélène. Et c'est là où il dit qu'il est malade, qu'il est fou. C'est-à-dire qu'il dit que lui, il est fou, qu'on l'envoie à Mélène pour se soigner. Un milliardaire. C'est-à-dire que celui-là, ce n'est pas comme les cliniques où il avait l'habitude de fréquenter, comme le Jourdain, je ne fais pas les publicités. Mais il ne cherche pas des cliniques à Pastos ou bien ailleurs. Ou bien à l'hôpital général, ou bien à la caisse. Non, il dit qu'il veut aller chez un docteur qui soigne les fous à Mélène. Ça, il avait organisé l'évasion. Ça n'a pas marché. Il dit que Amougou, il entre là. Le gars, c'est un ancien chasseur. Amougou, à Mélène, vous mettez même le billet, la garde présidentielle, il va vous servir. Amougou connaît tous les... C'est là-bas où il partait voler. Quand vous entendez comment quelqu'un dire que moi... J'ai appelé les gens avec les machettes pour venir me suivre. Tu sens que c'est un chef de banque, tu sens que c'est un chef. Il a besoin d'être suivi. Il est qui? Si c'est que, si il sait vraiment qu'il n'a provoqué personne, il n'a tué personne et qu'on ne l'en veut pas. Il a dit qu'il est allé chercher les gens à Mélène pour venir me suivre avec les machettes. Donc voilà, c'est un brigand celui-là. Donc, c'est hors la loi. Ça veut dire que quelqu'un peut passer là, les gars là, les drogués là, viennent te poignarder. Oui, c'est un contrat, on paye tout chaque mois. Si je crois que le père lui, il est l'ami des sous. Il est l'ami de la seule personne au Cameroun qui vient. Je vais te dire. Ouais. Quand j'avais dit aux gens, le truc c'est ça, je suis l'un de ceux qui ont fait sortir ça, parce que quand j'avais dit aux gens qu'à mon connaisseur avec le président, beaucoup ne m'ont pas cru. Il a fallu que j'aille chercher ce studio pour mettre dehors. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et on a mis et où il a dit lui-même si j'avais le numéro de code de la télé. C'est là où les ministres sont revenus vers moi pour me dire, bah, c'est le conduit de ton mari. Attends, je vais te dire quelque chose. J'ai même décidé de lui demander à moi de ne pas partir. Sinon, j'allais comprendre. Il a l'idée de partir depuis. Mais c'est quand on se connaît depuis 10 ans, est-ce que tu m'as amené chez toi à la maison? Mais ça, tout le temps. La femme de quelqu'un t'amène chez lui.
Il t'envoie un peu d'argent, il te dépanne un peu. Moi, il appelle le miel. Quand je donne 1 million, je sais le miel. Est-ce que je connais ta maison, madame Fouda? Anna Wanda. Ça, il a un peu de blanche. Non, je pose une question pertinente. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est quel jour? Un homme, quel date? Il dit qu'aujourd'hui, c'est quel jour? Pour que si il te ressort l'enregistrement, la femme nous dit. La femme peut dire que c'est un vieux truc et tout. Il demande le jour exprès que quelqu'un donne la date. Tout ça pour coincer, faire le chantage à la femme. Attends, madame Adima. Non, aujourd'hui, je te vois. Le 8 juillet. Ouais, aujourd'hui, le 8 juillet. Quand tu l'as aujourd'hui, c'est le 8 juillet. Donc, elle ne peut pas. Mais pourquoi vous me sollicitez seulement pour donner l'argent à la campagne, à ma foule de pick-up, à ma beauté, à ma beauté Mais quoi? Tout ce qu'il me donne, je le fais pour le chef d'État. Mon Dieu, j'imagine. Bestie, bon, elle est avec un mot de béni. Écoute, non, tu attends ta femme dans une chambre avec quelqu'un comme ça? Non, non. Donc, vous venez sans cela, pas de problème. On est ensemble. Il n'a le fait, mais il faut très bien. On est ensemble. L'autre, quoi? On est ensemble. Madame, elle même a disparu. Mais comment? Ça fait même 2 mois, elle est vrai que j'étais malade. Je ne peux pas faire de mon voile. Parce que j'ai failli. Si je n'étais pas zombie, je ne suis pas arrivé à faire du champagne. Moi aussi, j'essaie de faire le renseignement. Voilà. Il a bu le champagne. Non, mais il y a moi, je vous laisse, je pars, madame Fouda. Je vous laisse, je pars. Il avait l'intention de fuir, mais il savait que ces choses-là devaient être rattrapées. Hier, le président Ouadéra m'a appelé à. Si j'étais perdu, le gendarme n'a pas pris le téléphone. Voilà. Bon. Pour Obiangé, moi, je peux parler parce que je me considère fils de ce pays. Obiangé me prend son. Il n'a même pas son numéro pour dire que Obiangé m'a appelé. Il n'a pas. Écoutez alors. Si j'avais eu mon contact avec Obiangé, moi, j'allais me dire, je ne me plains jamais de nos frères. Je ne me plains jamais. Si j'avais un contact avec Obiangé, c'est là où son. C'est-à-dire, c'est là où Amoura commençait à descendre. C'est là où j'ai déconstruit ce mensonge. Dès que les gars ont entendu ça, si j'avais le numéro du chef de l'État, Amoukou Belinga dit ça, certains ministres sont tombés de nous. Il dit, bah, si on te prend au sérieux, il dit, non, le président va au sérieux. Il cause, il mange avec le président. Il mange avec le président. Et dire des choses comme ça, fait de moi un méchant. Je vous dis que vous, peut-être, vous voyez, vous vous limitez juste. Comme je te dis là, quand je finance tout, je n'écris même rarement, j'écris même ça dans les médias, en banque, à campagne, non seulement l'autre signature, mais lui m'a dit, l'autre combien de banques dépoussières des millions, mon l'autre premier ministre, nous allons sur le temps lui-même, 10 ou 15 millions. Madame le maire de l'école, peut-être 35 millions, parce que madame Oujan pour le tout, c'est une femme sérieuse. Appelons-nous, elle est ici, tous les jours, c'est notre soeur, mais je ne connais pas sa maison. Voilà, mais comme il dit qu'il n'a pas de personne, que ça nous sert de dimension. Et on te dit, oui, oui, c'est un peu comme mon. Il y a un peu de mon épouse, elle était mère, du monde pour le ministère comité central. Pas nous, on doit le ramener sur la table, on doit le ramener. La seule personne que moi j'ai vue sérieux, c'est Kaoun. Je ne connais pas Paul Biya, parce qu'en fait, moi j'ai aimé, mais c'est ce qui m'a évoqué. Je ne connais pas Paul Biya. Le ministre ne donne pas. Bachir connaît Paul Biya. Bachir a des photos avec Paul Biya. Quand lui dit. Parce que pour la première fois, j'ai amené toutes mes époux chez Souillère, je pleurais, comme ce que je n'ai jamais fait. Il a seulement appris qu'on va l'arrêter. Amoubou, c'est un metteur en scène. Il appelle ses femmes. Il dit qu'on va aller chez le ministre, il faut ce soir. Maman Sarah allait mettre les talons et sortir, casse maman la magistrate. Regardez. Va mettre un de tes vieux cabas. Oh, on est en train d'aller pleurer quand tu viens porter des trucs comme ça. Comment ça va être parti dans le cabas? Elle a mis sa femme, la première. Va, mais on part chez l'oreille. Dès qu'on arrive, vous tombez à terre, vous commencez à pleurer. Il a
en mauvais parti. Et lui aussi naît comme la danse des pieds. C'est-à-dire, les femmes tombent là et se mettent à pleurer. Amour aussi pleure. Il pleure et ça. Il organise quelque chose. C'est libre. Il dit à ses femmes, allons chez le ministre Esso. Quand on arrive, vous pleurez. Mais, tout comme il m'a induit quand on était chez le président Touadéra, et il m'a induit en erreur. Donc, il dit à ses femmes que là où je suis là, il n'y a que vous, allons vous pleurer devant le ministre. Maman Sarah a mis les talons, hein. Elle est sortie avec le sac. Tic, tic, sac de tic. Allons. Amour va dire, tu te sapes comme ça là. On t'a dit qu'on est en train d'aller dans un restaurant. On est en train d'aller pleurer. Maman Sarah, d'accord. La pleurer, elle n'a pas répondu. Ils ont mis les cabas. Arrivé dans le salon du ministre, l'autre là, comme elle est commissionnaire là, elle est tombée et déjà des femmes. Ah, pour tout là, son leste, tu le vois, pour tout là, elle ne fait pas. Elle est tombée, elle s'est mise à rouler là. Pouf! La deuxième, ouais. Ah, mon, ça sort aussi dans un coin. Il dit, ma première fois de pleurer. Là, il avait seulement appris. Hein. Et quand il enferme des enfants déjà, ça, là-bas, il ne pleure pas. Bah, quand même, c'est pas ça. Je préfère vous parler. Donc, elle est ici tous les jours. C'est notre soeur, mais je ne connais pas sa maison. Mais comme elle a mis les chaussures, elle vient. Il y a des souvenirs. Et donc, elle dit oui, c'est elle qui a fait même que maman. Il y a quoi dans maman et tout ça, elle était mère. Je me disais pour le ministère comité central. Pas non, vous avez le grand sauveur. Vous avez le grand. La seule personne que moi, j'ai vu sérieux au Cameroun. Je ne connais pas pour lui, quand même, il m'a dit, c'est Sou qui m'a adopté. Et quand ils sont adoptés, pour un homme, ils ne donnent pas. Mais ça, qui dit maintenant que. Mais quand ils sont adoptés, ils sont adoptés. Et je me suis dit, même hier, parce que pour la première fois, j'ai amené toutes mes époux chez Sou hier, je pleurais, comme un seul que je n'ai jamais fait. Donc, quand même, reste tranquille. Non, mais c'est parce que j'ai dit que je vendais tout. Je préfère tout parler. Oui, à Lissa, on a volé deux, trois fois. À peine, il n'y a que ma grand-mère avec les policiers. Sur contrat. Bon, si elle était quelqu'un de méchant, j'allais dire que ça aussi de méchant. Bon, elle était confinée que moi, je vais te faire bien. Là. Vous m'énervez, vraiment. Quand même. Quand tu es venu me dire qu'on avait assassiné son fils, je n'étais même pas là. Bon, j'ai donné la... Benoît, attends, tu connaissais l'histoire. Tu avais passé ça. Donc, Amour prend ses femmes, c'est-à-dire, il a seulement appris qu'on va l'arrêter. On a signé qu'il est interdit de sortir, machin, de pas machin, tout. Le gars a peur. En ces temps, il arrête les enfants des gens. Il m'arrête, il arrête le David et Moutou, il arrête tout le monde, il sait 43 personnes. Il arrête. Lui, il apprend seulement qu'on va l'arrêter. Il dit que pour la première fois que j'ai pleuré, il appelle sa fille. Non, on dit que les femmes pour le meilleur et pour le pire. Là. J'ai confirmé ça, j'ai un mot. Il dit à ses femmes que mettez vos vieux cabas. Vous venez, on part quelque part. Donc, maman Sarah était allée saper, on va aller comme elle dit. Maman Sarah, c'est ça. Hein? L'autre jour, elle passait là. Il y avait des filles stagiaires qui étaient au ministère de la Justice. Elles regardaient un de mes tirets. Et elles ont vu maman Sarah passer. Elles se sont mis à rire. Maman Sarah a chassé les filles là. Une parmi eux m'a dit, j'ai dit, mais il ne fallait même pas voir ce genre de trucs là-bas. Elle dit que tout le monde connaît au ministère de la Justice ce qui s'est passé. Donc quand maman Sarah passe là, on rit. Mais ça dit, il y a un papa la nuit, tous les jours, le papa l'a fait l'effort de ne pas rire. Un jour, le papa a été en train de boire l'eau. Maman Sarah passait. Le gars a pensé tellement à un de mes directs. Le gars buvait l'eau et lui a fait. Le CDC, Maman Sarah dit tout rire quoi. Donc, elle est mal à l'aise là où elle est là. Imagine que tu travailles. Imagine que tu as une patronne comme ça. Quelqu'un vient dire que ah, voilà ce qu'il a voulu faire à un gars, machin, machin. Si tu vois maman, c'est le genre qu'Amougou lui-même dit que si je dis à telle, elle va te voir comment. Maintenant, là, les collègues de Maman Sarah vont la voir comment. Elle va faire. C'est-à-dire,
il dit à Maman Sarah que à bien vous, on parle sur le ministre. Maman Sarah, elle, les anglophones sont stricts et non, tout ça. Elle a laissé ça bien, elle a mis le sac, elle a mis la cache. Tu penses qu'on va manger, aller porter les cabanes, on va pleurer sur le ministre. C'est-à-dire, un couple de trois pingouins qui partent dans le ballon du ministre, qui tombent là. Oh, les femmes pleuraient. Mais le ministre était défensé. Le schéma, c'est-à-dire, il a tellement réussi ce schéma, le ministre a dit non, 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 non. Le ministre a dit que c'est grave. Ah, mon gosse s'est mis à pleurer. Oh, oh! Les femmes se mettent encore à calmer à mon goût. On dit non, il n'a pas l'habitude de pleurer comme ça. C'est grave. Oh, il a dit qu'il va tout vendre, il part. Oh, 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 je vais comment avec les enfants. Oh, 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 oh. Ah, mon goût. Ah, oh! Les femmes viennent dire à mon goût, calme-toi. Il dit non, 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 je suis fatigué tous les jours. Machin. Et si on te dit que c'est lui qui enfermait les gens, qui faisait, vous avez entendu ici comment il a dit que quand je partais imiter tes copines, imagine deux vieux pingouins, moi si je peux m'asseoir là, dire que j'ai une copine, ma soeur, je peux dire ça en public. Quand je partais imiter tes copines, voilà quelqu'un qui dit qu'il maîtrise la justice. Rien que ça, rien que ça. Donc, il arrive au ministère de la Justice, il nomme qui il veut, il dégomme qui il veut, c'est-à-dire, tu as une copine avec qui tu as eu le travail, tu as la fille de mère, tu dis, va me muter, une fille m'a aimé. C'est-à-dire, tu trouves une femme qui travaille au ministère, tu sors avec elle, le jour qu'elle t'énerve, tu dis, allez l'enlever. Et on vire, on mute, on l'envoie à Garoua ou bien à Maroua ou bien à Mokolo. Tu vois la méchanceté à l'état pur, à l'état brut. Quand je partais muter tes copines, c'est-à-dire, tu investis. C'est-à-dire, il y a certaines choses que, quand je n'avais pas chocolat, je ne voyais pas ça. Parce que, tu imagines que comment tu investis sur ton enfant et un militaire sort de nulle part, il vient dire que il faut muter telle fille, il faut muter telle fille parce que j'ai dragué cette fille, elle a refusé. Vous vous rendez compte? Et ce monsieur qu'on parle là, il est en prison, il s'appelle Jean-Pierre Amoukoupé, ses plus proches amis là l'appellent Bolingo. Moi je l'appelle Jipé Proxénète parce que je connais l'homme. L'histoire du KFC. Donc là où il est là. Si je suis en train de travailler avec mes avocats pour ce qu'a Mougouma fait. D'ici la fin du mois, vous allez voir qu'il y aura des révolutions terribles. Là, c'est une chose que je vais faire. Une citation directe à Amou. Donc, on ira chercher Amou en prison, qu'il ne veut ou pas, on ira le chercher. Il va aller comparer. On va dire que Bachir, ta porte-clés, viens nous dire ce que tu sais. Oui, oui, oui. Proxénète double sim. Il a le macabre d'Amou. Donc, ça fait mal, franchement. Franchement, ça fait mal. Comment? C'est-à-dire, là, l'émission, c'est pas de, je sais pas, 11h à 12h. Les gars, c'est-à-dire, les journalistes, là, chacun vient là, saper, ils sont là, caca, tu les vois, ce sont les femmes, elles touchent. Après, ses amis, tu vois, le gars qui a présenté l'émission aujourd'hui, il me plaît, hein, il faut l'envoyer. Il y a le ministre qui a dit que vous allez passer une bonne soirée. Aïe. Pour passer une bonne soirée. Il y a encore la proposition que vous m'avez faite pour Maman Sarah. C'est un peu passable par rapport à un homme avec un homme, mais ça se passe comment? Je suis perdu, cher frère, cher voisin, cher voisine. Je suis perdu. Donc, il organise à l'époque,
Après, il a géré ça. Il a pas. Il a si ce n'est pas le ministre là, il sait par où amener. Parce que c'est deux profils différents. C'est-à-dire Amokubelinga, tu poses Amokubelinga, tu poses Lorenzo. C'est deux personnes qui sont tellement opposées en tout, en tout. Il a fait que on a je ne prononce pas les noms des ministres qui appellent. Je vois Chocolina grandi. Donc, je ne prononce pas. Donc, il a donc pu convaincre le ministre. On a dit que non, tu peux voyager. Après, il a oublié. Le gars, il met les pointinini, il prend Mélissa, il part en France. Il entre dans l'avion. Un Français, il entre là. Femme. Les deux policiers, c'est-à-dire, les gens là, quand ils veulent t'arrêter, ils sont polis mal. Monsieur Amoukou Beninga, il dit, oui, c'est moi. Il dit, monsieur, vous n'êtes pas autorisé de sortir du pays. Par contre, votre femme peut aller. Et Mélissa voulait partir faire les chirurgies, machin là. Mélissa, elle, dès qu'on a dit qu'elle elle peut partir, Mélissa s'est assise de là. Elle dit, je ne parle pas, elle parle où? Descends. Comment ça discute avec sa femme dans l'avion, hein? Dis que, on me demande de sortir, toi tu vas aller à Paris seul. Descends. Tu vois le mauvais cœur de l'homme. Mélissa descend. Il dit à Mélissa, attends, je vais te montrer ma puissance. Oh. Ça, la seule chose qui s'est passée, j'avais les gens autour de lui. C'est-à-dire, je voulais ça en direct live. C'est-à-dire, il dit, Mélissa, c'est-à-dire, les femmes, non. Quand c'est bien, elle est avec toi. Quand c'est mauvais, elle n'est pas là. C'est-à-dire, elle dit carrément que dès qu'on dit que monsieur Amoukou, vous ne pouvez pas partir. Par contre, madame va partir. Vous connaissez les histoires de Air France, là. Le VIP, là. Mélissa, elle s'est recouchée, est-ce qu'elle part? Amour, c'est lui. Il dit, moi, je ne parle pas, toi, tu parles où? Descends ici. Dès qu'il s'est rassuré que Mélissa était en bas, il dit, attendez, vous allez voir. Il appelle le sauve, papa, ne passe pas. Il appelle l'autre personne. Quand le système veut te lâcher, les gars s'entendent, ils ont leur goût. On dit que tel va nous chercher à telle heure. Éteignez vos téléphones. Mais ne prenez pas. Il n'appelle pas. Mais, Amoukou appelle les chauffeurs étaient déjà au diable. Je dis, patron, c'est comment vous avez oublié que vous revenez nous chercher. Il y a un problème. J'ai dit, viens. Le chauffeur était complet. Ils sont revenus les chercher Kouyaka, ils sont rentrés. Et quand il y a un problème, il ne reste pas en laisser, comme si c'était la chauffeurie. Je dis, rentrons alors en bas, comme au village. Le village, là où vous l'avez vu, où il avait les sangs de mer. Ils sont allés faire les rites avec Apicolo, ils sont allés, ils lavaient les mains. Ils ont lavé les mains aujourd'hui, le lendemain, on les a arrêtés. Avec les mêmes habits, hein. C'est-à-dire, vous voyez, quand il insulte les gens, il tient déjà des poissons. Voilà quelqu'un que le papa priait pour lui, hein. Mais on vient l'enfermer. Mais, c'est-à-dire, le degré de poisse dans mon groupe, il n'en a pas de nom. Le pape a prié pour lui. Il est allé au Vatican. Il a prié sur le mur des lamentations. Rien. On a dit que tu vas aller. Mais, ça dit, son niveau est tellement élevé. On a dit que non, stop. De pas prier pour toi, on t'arrête. Puisque les histoires de marche, moi je l'avais dit, j'ai contre-attaqué via un média. J'ai dit que si c'est qu'il organise les marches, je vais infiltrer mes gens dans cette marche, et nous allons profiter pour faire le show. On va gâter. Il a dit, non, bah, s'il appelle les gens en brique, ils vont infiltrer le match. On a arrêté. Il s'est retourné vers les pasteurs. Ha! Le type là fait qu'on a fouetté deux pères là, dans un pays voisin. Les pères là, Asta Maria, la camarade, Anna Maria, il parle espagnol chez les voisins là. Quand le père là a entendu, ce sont ses opposants, hein?
dit que vous payez pour qui? Quelqu'un qui est venu me voler. Deux pères. Il a été insultant. Ils étaient dans la chambre. Ils parlaient en espagnol. Hasta la vista, mañana. Tu entends, c'est là-bas. Amo tu pelinga. Donc, c'est ce qui s'est passé en Italie. Les frappeurs sont allés prendre l'argent. Chamoubé, puisque on va payer pour ça. Papa a demandé. Les gars sont partis dans un village en Italie, dans une petite chambre. Ils ont mis les toits. Ils disent Anna Maria, Salabista, machin, machin. Ils ont pensé à finir. Amoubé. Commencé à prier. Amoubou, le type fait la vidéo, il envoie Amoubou, il dit que bon, voilà tes gens. Ils ont dit que on a prié, le pape a prié. On l'envoie l'eau. On dit, vois ça, l'eau bénie. L'eau qu'on a fait à Yaoundé, on l'envoie. On dit que ça, l'eau, si vient du Vatican, il faut boire. Tu te crois avec elle, il ne faut pas te raser. Le gars a laissé la barbe, pas ça. Quelques jours, je vois un homme avec la barbe, on dit non, ne te rase pas. C'était le concile que le pape a prié pour moi. Chers voisins, je vais vous laisser parce que vous allez travailler certainement demain. Et je vais aussi profiter pour me reposer. Donc, nous avons un peu échangé. Passez une bonne soirée. Oui, je vais annoncer. Oui, prochainement, je vais annoncer. Merci, Blanc Blonde. Merci. Oui, Benoît, il faut qu'on s'organise pour refaire le direct. Merci, Della. Merci à vous. Merci. Oui, Benoît, il faut qu'on le fasse. Merci, Patricia. Merci, Kenya Nairobi. Ok, je vais... Kenya Nairobi, attends, je ne sais pas. Je vais te décrocher. Non, je ne te vois même pas. En tout cas, tu peux m'appeler via WhatsApp sur mon truc. Agnès Doris. Ah, on cherche... J'ai vu comment on a mis le truc. Comment on dit bonne nuit. Bonne nuit, somatique. Ouais. Donc, non, j'ai dit si maintenant vous êtes brune et que vous avez un peu de tatouage, ça va être prudent, on peut vous déshabiller à tout moment parce qu'on sait ce qu'il y a. Donc, les filles jaunes, allez doucement. Essayez de marcher seul, parce que si vous êtes avec un homme là, on va vous digitaliser. Et surtout si l'homme là est mince, vous savez, les mains, ses pieds comme un picot. Vous êtes foutu. Donc, cherche le couple là. Merci Blanche Fortune. Merci Solange. Nouveau métis, non, ça, tu n'as pas de problème. On dit que Ivana a les. Mais attends, on met ça, on fait ça comment? Attends, donc, le type qui vient de tatouer ça, le Camerounais, que Dieu vous garde. Frère Anthony, les tatouages là, ce n'est pas seulement ce que nous on voit, il y a les tatouages dans ces parties intimes. On fait comment? Donc, tu parles tatouer, tu dis bon, il faut me tatouer tant, tu ouvres les pieds, pas, on fait ça, on met le cœur, on met. Oui, le plus brune là, attention, moi les papiers que j'ai vus là, c'est la police décrit, elle a un tatouage au pied, l'autre sur les cuisses, l'autre. Aïe, mais la police, mais Benoît, tu ris. C'est grand ça. Attends, si par exemple ta femme te dit qu'elle allait faire des tatouages, elle va te faire une surprise. Tu vas d'abord demander qui a fait ça. Tu peux me dire que c'est une femme qui a tatoué, qui a fait ça. Mais c'est grand ça. Cette famille va tout nous montrer au Cameroun.
cette famille va tout nous montrer. Merci, nous promettons. Merci. Apicoro, lui-même est pas clair. Apicoro n'est pas, c'est-à-dire, le juge. Vous avez entendu comment il insultait les Bamilékés, non? Vous voyez comment le destin fait en sorte que c'est un Bamiléké qui détient sa vie aujourd'hui. C'est un Bamiléké, c'est-à-dire, ce monsieur n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. Il va dire la loi parce qu'il était prêt à la retraite, il est revenu juste pour ça. Oui, voilà, il faut chercher Ivana Vermeulen à mon goût de cachet terrible. Mais il n'oublie jamais d'où il vient, hein? Non! Il n'oublie jamais. Sinon, comment quelqu'un peut dire à un de ses journalistes, parce qu'ils sont en plein interview, Obama demande, mais monsieur Amoukou, vous êtes face à Obama, vous n'avez pas peur. C'est rancunier. Dès qu'il a fini, là, il dit à Obama, monte. Il dit à Obama, tu me poses la question si j'ai peur de toi devant la télé, devant le monde entier. Couche-toi là, lève, baisse ton pantalon. Quand il te tape, tu ne tapes pas avec le pantalon. Hein? De ce pantalon, les lattes, pop, 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 pop. C'est-à-dire, ce genre de personnes, tu vas faire comment? Oui, il dit que c'est. Non! Il y a un Bamiléké qui défend Amoubi, qui est son avocat. Mais le gars qui a le dernier mot, c'est le juge. Tu comprends? Un Bamiléké lâche. Un Bamiléké lâche. Qui est. Il est comme un. Je ne veux même pas. Il s'appelle qui la maître qui. Lui, tous les jours, il invente des choses pour escroquer Amou. Tous les jours, il a les solutions. Tous les jours, il dit Amou, bon, l'article est là, il dit tant machin. Donc, au final, Amou, lui-même le gars, là, on peut dire Amou. Puisqu'il est en prison, là, il y a les taximens. Oui, il y a les. Quand j'étais en séjour là-bas, en vacances, il y avait les taximens. C'est-à-dire, les gars là, tu sais qu'il y a les quartiers là en prison. Alors, quand tu viens, on est censé ne pas avoir de téléphone. Mais malgré ça, on a quand même des téléphones. Donc, quand tu arrives, il y a les gars qui sont à la guérite, les petits là. On dit Bachirou, on va chercher. Papa, lui, le taximané, il vient me dire qu'on m'appelle. Je pars, j'ai fini avec la personne qui m'a rendu visite, je donne l'argent. Donc, Amoubou, lui, on l'appelle là, Bolingo. Et les autres, ils sont moqueurs. Ils disent, Zomla. Donc, le gars qui vient t'appeler, tu l'as payé, on les appelle les taximans, tous ceux qui sont passés par là, ça. Solange, tu as appris qu'on a libéré Amoubou. Peut-être que tu es en train de rêver là. Lève-toi un peu, tu te pinces un peu là. Donc, les taximans là, c'est alors. Donc, dès qu'on dit à Amoubou Belinga, c'est le type qui est comme le Ngengeru là, qui est là, on dit, il dit, allez dire que je ne viens pas. Son avocat, il explique que l'avocat a mal travaillé. Oui. Donc, il y a les taximans. Donc, quand tu viens là, il dit qu'on te demande, tu veux voir que tu dis à Amoubou. Les gars, pour, il va dire, si tu ne payes pas, tu vas voir. Un jour, un gars est venu me m'appeler là après. Il veut me tutaliser là. Il dit que les taximans. Je dis, taximans, comment? Il dit, c'est moi qui viens t'appeler. Je dis, aïe. On me dit, non, ça c'est des taximans. C'est des prisonniers aussi. Hein? Ils sont à la guérite. Dès qu'ils voient par exemple un avocat, ils savent que c'est l'avocat d'Amour. Il faut. Bah, 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 bah. Et pas. Donc, je vous laisse. Je ne vous retiens pas et à demain. Thank you.